Alors bonjour tout le monde. J'ai le plaisir encore une fois de démarrer ce troisième e-learning qui est sponsorisé par BioLens. Cette fois, on va traiter les urgences en contactologie. J'ai choisi ce thème pour montrer que l'adaptation, ce n'est pas un geste anodin, qu'il y a un risque de complications qui sont parfois très graves, qui peuvent conduire à la perte anatomique et fonctionnelle de l'œil, et que l'adaptation, normalement, ça doit être un geste médical qui nécessite en plus un suivi médical pour éviter les complications graves. Nous remercions les laboratoires BioLens pour leur participation et je passe tout de suite la parole au professeur Bilbuki qui va modérer cette session. À toi, Simon. Merci beaucoup, Hassina. Merci de m'avoir associé à ce beau panel et surtout à ce sujet qui est extrêmement important, qui est la prise en charge des urgences en contactologie. Et comme vous l'avez dit, est un acte médical qui a des conséquences et que seul le médecin doit faire de l'adaptation et suivre proprement ses malades. Donc, sans trop tarder, on a un programme qui est très riche et on va commencer avec Dr Lubnel Wali qui va nous parler des petites urgences en contactologie. Donc, merci professeur Bilbuki, merci Hassina pour l'invitation. Donc, je vais parler des lentilles de contact et des incidents courants ou plutôt les petites urgences. Les consultations en urgence liées au port de lentilles de contact représentent 3 à 10% des urgences ophtalmologiques. Les complications graves ne représenteraient que 5% des cas. Cependant, un examen ophtalmologique demeure essentiel et je dirais primordial. Heureusement, en fait, que ces incidents courants, c'est-à-dire les petites urgences, sont le motif de consultation le plus fréquent. Le patient peut se présenter dans ce cadre pour un œil rouge, pour des douleurs oculaires ou pour une baisse de l'acuité visuelle. Il faudra en fait faire la part des choses et savoir trancher entre une petite urgence et une complication nécessitant une hospitalisation en urgence, notamment les complications infectieuses, qu'elles soient bactériennes, mycosiques ou amibiennes. Donc, dans le cadre des petites urgences, on va voir les problèmes de manipulation, mais aussi les incidents sous lentilles de contact. Concernant le premier volet, c'est-à-dire les problèmes de manipulation, on peut être amené à voir des patients qui inversent les lentilles de contact ou qui posent les deux lentilles sur le même œil. La lentille peut éventuellement être cassée ou détériorée par l'utilisation non appropriée du produit d'entretien ou plutôt par le non-respect de la durée du port de ces lentilles de contact. On peut être amené aussi à avoir une lentille ventousée dont le retrait est impossible ou une lentille déplacée éventuellement sous la paupière supérieure. Donc, comme on a dit tout à l'heure, on peut voir des patients qui se présentent pour une baisse de l'acuité visuelle et le plus souvent des cas, on retrouve une lentille détériorée, comme le montre l'image de droite, ou un inversement de lentille de contact. Concernant la douleur oculaire et toujours dans le cadre des petites urgences, bien sûr, la lentille peut éventuellement être cassée. Sinon, par rapport à la rougeur oculaire, tous les problèmes de manipulation peuvent entraîner un œil rouge et surtout dans le cadre d'une lentille ventousée dont le retrait est impossible.
Dans tous les cas, un examen ophtalmologique demeure essentiel et primordial. Et il faudra toujours préciser l'état de la lentille de contact, est-ce qu'elle est fondue, est-ce qu'elle est déchirée, éliminer la présence d'un corps étranger sous la lentille de contact et ne jamais omettre l'examen à la fluorescéine, qui est une étape essentielle, avec lentille de contact en recherchant et en examinant la mobilité de cette lentille et aussi en regardant la surface oculaire, en bien examinant la cornée et aussi la conjonctive. Ne jamais omettre, et j'insiste sur l'examen des cul-de-sac conjonctivaux, parce que parfois on peut être amené à retrouver des petits débris ou des petits morceaux de lentille à ce niveau-là. Donc, on a vu ensemble les problèmes de manipulation. Là, on va voir les incidents sous lentille de contact. Concernant ces incidents, ils sont de deux types. Il y a les atteintes de surface oculaire, qu'ils soient cornéennes, conjonctivales, et les atteintes du film lacrymal, et aussi les complications hypoxiques que je vais uniquement survoler, puisque ça va être traité tout à l'heure par Dr. Liu. Donc, ces complications hypoxiques, en principe, on est censé plus les voir. Pourquoi? Tout simplement parce que les lentilles actuelles ont une haute perméabilité à l'oxygène. Donc, il y a deux types d'hypoxie, il y a l'hypoxie aiguë et l'hypoxie chronique. Par rapport à l'hypoxie aiguë, comme son nom l'indique, le patient va se présenter pour un œil rouge douloureux et une baisse de l'acuité visuelle, due, comme on a dit, à un port inadéquat de lentilles de contact. Je vais insister et citer les lentilles cosmétiques parce que, comme on le sait tous, déjà le matériel de constitution, le HEMA, il est de faible déca. En plus, l'utilisation de ces lentilles de contact, elle est le plus souvent sans suivi médical et sans aucune recommandation. C'est pour cela qu'on voit souvent ces hypoxies aiguës sur ces types de lentilles de contact. Concernant l'hypoxie chronique, donc elle peut revêtir toutes les formes, notamment les microkystes épithéliaux, les microsopacités cornéennes et surtout les néovaisseaux qu'on voit souvent chez les patients myopes forts qui portent des lentilles souples, et on sait que la lentille elle est un petit peu épaisse au niveau périphérique, c'est ce qui explique la présence de ces néovaisseaux à ce niveau-là. Que faire? Tout simplement, il va falloir réadapter et rééquiper ces patients en lentilles perméables à l'oxygène. Et en général, au bout d'un mois, on aura une régression, voire une disparition de ces néovaisseaux. Donc, après avoir survolé les complications hypoxiques, on va voir ensemble les atteintes de surface oculaire. Et je commence par les atteintes cornéennes dominées par la kératite ponctuée superficielle. Donc, je citerai surtout le SIX qui est assez fréquent et qui est dû à une incompatibilité entre la solution d'entretien et les lentilles de contact. Et aussi le syndrome qu'on connaît tous, c'est le syndrome 3h-9h, dû à une insuffisance de renouvellement des larmes au niveau de la fente palpébrale, qui cause par conséquence, comme on voit au niveau de l'image de droite, une hyperémie sur l'axe 3h-9h et une KPS à ce niveau-là. Concernant d'autres atteintes cornéennes, on peut être amené à avoir des érosions cornéennes qui peuvent être dues à la présence d'un corps étranger sous la lentille de contact. C'est pour ça qu'il ne faut jamais omettre de bien examiner l'œil avec la lentille et sans lentille à la recherche d'un corps étranger oculaire. Par la suite, concernant ces érosions aussi, on peut être amené à retrouver une lentille abîmée comme on voit au niveau de l'image de droite. Donc, un phénomène, je dirais, intéressant, c'est le froute, et qui n'est que des petites bulles d'air qui se trouvent sous la lentille rigide et qui laissent des empreintes sur l'épithélium cornéen. Et ça entraîne une sensation d'inconfort chez les patients, voire une gêne visuelle s'ils se trouvent au niveau de la zone optique. Donc, sur l'image de gauche, on voit clairement les petites bulles sous la lentille de contact. Et dans ce cas, ce qu'il faudra faire, c'est plutôt rendre la lentille plus petite, c'est-à-dire plus cambrée, ou aussi on peut éventuellement fermer les dégagements de la lentille de contact.
La lentille peut être trop serrée et laisser tout simplement une empreinte sur l'œil, donc on voit clairement à ce niveau-là. Et aussi, elle peut éventuellement laisser des lésions cornéennes, notamment une kératite ponctuée superficielle qu'on voit clairement sur l'image de droite. Donc, à côté des atteintes cornéennes qu'on a vues, donc on va voir les atteintes conjonctivales. Donc, elles sont nombreuses. Je vais citer le tight lens syndrome, qui est le syndrome de serrage sous lentille souple. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il faudrait savoir, il faudra garder en tête qu'une lentille rigide est censée être mobile, mais aussi la lentille souple, elle doit être aussi mobile. Sinon, si elle est immobile, elle peut entraîner, dans le cadre d'un tableau aigu, ce tight lens Light Lens Syndrome avec à l'examen à la lampe à fonte, on voit clairement l'empreinte conjonctivale et on voit la lentille carrément immobile et carrément ventousée au niveau de l'œil. L'attente du film lacrymal. Là, par contre, c'est un élément essentiel à retenir parce qu'en fait, le dépôt, il est dû à une adhésion des lipides qui sont sécrétés par les glandes de Meibomus ou par les protéines sécrétées par les larmes. Et le problème de ces dépôts, c'est qu'ils réduisent la mouillabilité de la lentille. Par conséquent, nous aurons un flou visuel et un inconfort visuel. Et ça peut entraîner, c'est en fait un substrat d'adhésion bactérienne, notamment du Pseudomonas aeruginosa, pouvant engager le pronostic visuel et fonctionnel de l'œil. Donc, après avoir vu toutes les incidents courants et les petites urgences qu'on peut être amené à voir devant le port inadéquat ou inapproprié des lentilles de contact, je citerai quelques astuces et règles importantes à connaître. Donc, première chose, il faudra l'information chez les porteurs de lentilles de contact lors de la première consultation, mais aussi au décours du suivi. Toujours respecter les règles d'adaptation. Se laver les mains, c'est quelque chose, je dirais, de banal, mais en fait, il ne faut pas hésiter à le rappeler aux patients parce qu'ils risquent d'oublier de faire ça et c'est un élément essentiel. Masser et rincer les lentilles après la dépose, c'est très important parce que, comme on vient de voir tout de suite, ça va permettre d'éviter les dépôts sur la lentille de contact. L'utilisation du produit d'entretien et de déprotéinisation adéquat. Toujours nettoyer les boîtiers à lentilles avec la solution d'entretien et ne pas hésiter à les jeter à la fin de l'utilisation, ne pas les conserver par la suite. Et sinon, dernier point que je trouve essentiel, c'est le respect du rythme de renouvellement des lentilles de contact. Ce que je fais le plus souvent, c'est que par exemple, par rapport au port mensuel, je pose la question au patient, quand est-ce que vous changez votre lentille de contact? Donc, si la réponse elle est précise, c'est-à-dire s'il répond que je la change le premier de chaque mois ou le 30 de chaque mois, ça veut dire que le rythme de renouvellement, pardon, il est respecté. Si la réponse elle est un petit peu elle est aléatoire ou hésitante et que je change éventuellement ma lentille tous les mois, là, ça veut dire qu'il n'y a pas de respect du rythme de renouvellement des lentilles de contact. Donc, à côté de tout ça, j'insiste sur l'arrêt du port des lentilles instantanées lors de tout symptôme anormal et ne pas jeter la lentille de contact parce qu'on peut éventuellement être amené à réaliser des prélèvements dessus. Et puis, la consultation en urgence devant toute symptomatologie fonctionnelle sur le port de lentilles de contact. Un autre élément important, c'est avoir toujours des lunettes à portée de main, donc c'est comme un pneu de secours, ne pas hésiter à les avoir par rapport à ces porteurs de lentilles de contact et commencer toujours par le même œil lors de la pose et le retrait de la lentille afin d'éviter les problèmes liés à la manipulation de lentilles comme on a vu tout à l'heure. Donc, je vais parler de deux points essentiels avant de conclure. C'est comment éviter les dépôts, tout simplement en traitant la blépharite, en réalisant une bonne déprotéinisation, en réalisant le massage des lentilles de contact et en respectant le délai de renouvellement de ces lentilles.
Deuxième point, comment enlever une lentille ventousée? C'est très simple. Pour les lentilles souples, il va falloir bien hydrater l'œil et essayer de faire glisser un petit peu la lentille sur le coin de l'œil, puis l'enlever. Concernant les lentilles rigides, il faudra faire béquer un petit peu cette lentille pour qu'une bulle d'air passe sous la lentille pour qu'elle soit décollée plus facilement. En conclusion, donc les incidents courants sont fréquents en contactologie. Bien les connaître permettra une meilleure prévention et il faudra toujours y penser. Et en fait, mais pour moi, il faudra toujours penser, comme le dit le proverbe grec, qui pense au pire devine juste. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr. Louani. Merci d'avoir parfaitement respecté le temps et surtout merci pour tous les conseils et les astuces que vous nous avez communiquées. Je donne tout de suite la parole à notre ami Dr. Mahlou, grande contactologue qui travaille énormément dans ce domaine. Et son sujet, c'est l'hypoxie aiguë et chronique chez les porteurs de lentilles de contact. À toi la parole, Lamia. Bonjour chers amis, merci beaucoup professeur Blumki, merci beaucoup professeur Lamari pour de m'avoir sollicité pour ce webinaire. Et d'autant plus que le sujet est adéquat et vraiment d'actualité parce qu'il permet de rappeler que la contactologie est une spécialité ophtalmologique à part entière. C'est un sujet qui a beaucoup d'intérêt non seulement pour le contactologue qui soit confirmé débutant, mais pour tout ophtalmo parce qu'on est tous amenés un jour ou l'autre à contrôler les porteurs de lentilles et déceler des complications aiguës ou chroniques et passer à côté du pire. Je voulais juste rappeler aussi que la plupart de ces complications étaient évitables en passant par une adaptation faite en respectant toutes les étapes, y compris les explications d'entretien et de manipulation qui font partie de l'adaptation. Et elles sont évitables parce que ces patients, il faut les contrôler de façon régulière afin de rectifier le tir en cas de problème. Donc moi, je suis censée vous parler des hypoxies cornéennes qui, comme l'a dit mon ami Dr. Louali, ne sont plus censées être vues de nos jours, mais malheureusement, elles le sont encore et on verra pourquoi plus tard. Donc, elles sont liées à trois facteurs principaux que je vais détailler au fur et à mesure. Elles sont liées au choix de la lentille en fonction du terrain, il faut qu'il soit adéquat. Ils sont liés à l'adaptation de cette lentille de contact et du matériau de la lentille choisie. Le choix de la lentille, on va choisir une lentille souple ou une lentille rigide déjà en fonction du terrain. On va faire un bon interrogatoire, on va regarder le patient, on va regarder est-ce qu'il va pouvoir respecter les mesures d'hygiène. On va lui demander si c'est pour un port quotidien, est-ce que c'est un port occasionnel, festif, est-ce que c'est pour faire du sport. À ce moment-là, ça va nous orienter, souple, rigide, donc en fonction de ses réponses. Est-ce qu'il prend des médicaments? Est-ce qu'il est glaucomateux? Est-ce qu'il est diabétique? Est-ce que c'est une jeune fille qui est sous traitement anti-acnéique? Tous ces éléments vont permettre de nous orienter vers quel type de lentille nous orienter. Bien évidemment, après, on verra les amétropies, le vice de réfraction, va aussi nous orienter. Si c'est une forte amyotrophie, on ira bien sûr plutôt vers une lentille rigide perméable à l'oxygène. Si c'est une petite amyotrophie et que c'est un jeune homme qui veut les porter pour faire du sport, on ira plutôt vers des lentilles jetables journalières. Ensuite, il faut examiner correctement son patient. Regarder le film lacrymal, regarder l'état des paupières, est-ce qu'on a une blépharite à traiter
au préalable avant de mettre des lentilles de contact, le break-up time, le test de Schirmer, est-ce qu'il y a une pathologie associée, est-ce que c'est une dame en période ménopausique, est-ce qu'il y a une maladie chronique. Donc, tous ces éléments sont primordiaux pour pouvoir choisir quel type de lentille, vers quel type de lentille aller. Ensuite, le deuxième facteur dont nous avons parlé, c'est l'adaptation de la lentille en elle-même. L'adaptation de la lentille, qu'elle soit souple ou rigide, est primordiale. Il faut choisir le bon diamètre et bien sûr la bonne kératométrie, parce qu'une lentille qui a une mauvaise kératométrie peut faire un bec, comme vous le voyez sur cette image, peut ventouser, peut ne pas bouger, parce qu'une lentille rigide bouge, effectivement, il y a un renouvellement lacrymal qui se fait à chaque clignement, mais une lentille souple doit bouger aussi. C'est le push-up time. Donc, elle ne doit pas ventouser autour d'un œil, sinon, évidemment, elle va aggraver l'anoxie qui est le sujet de notre étude. Et bien sûr, il faut pouvoir vérifier et contrôler cette lentille régulièrement, comme l'a dit mon ami. Donc, là, ce sont des choses qui peuvent apparaître au fur et à mesure du port, et à ce moment-là, on peut encore rectifier le tir, changer les lentilles, changer le type de port, changer les... Et le troisième élément primordial, c'est le matériau des types de lentilles. Et donc, on ne peut pas parler de matériaux sans donner certains rappels qui sont très importants à mon sens. C'est pour ça que je vais vous en parler. Donc, la cornée est un organe qui respire, il consomme de l'oxygène et il rejette du CO2. Cet apport d'oxygène se fait à 90% par les larmes et à 10% par les vaisseaux limbiques. Donc, ce qui explique que une oxygénation cornéenne sous lentille rigide sera beaucoup plus importante parce qu'à chaque clignement, on a un renouvellement de larmes, ce qui n'est pas le cas avec les lentilles souples. Pendant le sommeil, l'apport d'oxygène va se faire par les vaisseaux conjonctivaux et palpebraux, et la conjonctive palpébrale, pardon. Mais tout de même, durant le sommeil, on va avoir une petite hypoxie, un léger œdème, un petit gonflement au réveil qui va passer après quelques temps. Donc, vous imaginez aisément qu'un jeune porteur de lentilles souples avec un DK sur E non satisfaisant va se réveiller avec un œdème de cornée. Alors, les autres caractéristiques à connaître, les autres rappels, c'est ce qu'on appelle la perméabilité à l'oxygène, le DK, qui est une propriété intrinsèque du matériau. Les matériaux qui ont le meilleur des cas sont bien sûr les lentilles rigides perméables à l'oxygène, mais aujourd'hui, on a aussi les silicones hydrogels qui font tout aussi bien. Alors, l'impératif d'une lentille, c'est d'avoir un bon déca sur eux. C'est une des caractéristiques essentielles d'une lentille permettant d'estimer sa tolérance physiologique. La qualité d'oxygène parvenant à la cornée est directement proportionnelle au décassureux. En fonction de ce décassureux, on pourra dire combien de temps la personne peut porter sa lentille. Évidemment, plus le décassureux sera important, et plus on pourra porter longtemps cette lentille, voire dormir avec, voire le port permanent de 30 jours, mais ce qui n'est absolument pas admissible avec une lentille à faible décassureux. D'ailleurs, une étude a été faite montrant quel est le décassureux minimal pour pouvoir éviter d'avoir un œdème. Alors, par exemple, Holden et Mertz ont estimé qu'il fallait, pour un port diurne, un DK sur E minimal de 24, alors que pour un port nocturne, un DK sur E minimal de 87. Alors, juste un petit rappel pour vous dire d'où on vient et où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Donc, dans les années 40, on avait des lentilles en verre, donc vous imaginez le désagrément et... sur le plan du confort, mais sur le plan de l'oxygénation de la cornée. Ensuite, sont arrivés les PMMA, les lentilles souples hydrogel, et aujourd'hui, on a quand même les jetables journalières, donc qui permettent d'éviter l'hygiène à respecter quotidiennement, et les silicones hydrogel, qui sont presque équivalentes aux lentilles rigides perméables à l'oxygène. Alors, comment se comporte une cornée avec une lentille au-dessus? Eh bien, elle modifie forcément la physiologie de la cornée avec un retentissement sur toutes les fonctions. Et la connaissance de ce retentissement permet de mieux surveiller les porteurs de lentilles et d'anticiper et d'éviter les complications. Ce stress hypoxique ou hypercapnique va agir aussi bien sur l'épithélium, le stroma, le limbe que la conjonctive. Et ce sont des désagréments qu'on verra principalement avec les lentilles souples. Et puis, je vous ai dit pourquoi auparavant, on arrive à le comprendre aisément. Donc, sur le plan épithélial, on va avoir une altération de la barrière épithéliale avec une atteinte des complexes jonctionnels, ce qui va engendrer un œdème microkystique et une néovascularisation.
Cette néovascularisation va survenir à partir des cellules endothéliales des capillaires du plexus péricornéen par augmentation des facteurs pro-angiogéniques. Au niveau stromal, on va avoir une diminution de l'épaisseur des kératocytes liée à la présence physique de la lentille. Donc, on va avoir un amincissement du stroma. Au niveau endothélial, on ne va pas avoir de modification de la densité des cellules endothéliales. En revanche, on va avoir une modification de la forme des cellules endothéliales et ce qu'on appelle des blets. En cas de réponse rapide à l'acidose, on va avoir des contractions des protéines cellulaires, ce qui va donner cette lésion visible, cette lésion noirâtre que vous voyez sur l'image. On va avoir bien sûr un retentissement sur le film lacrymal avec une évaporation du film lacrymal, une réduction du temps de rupture du film lacrymal, donc une sorte d'assèchement de l'œil. Et à terme, évidemment, avec des lentilles à faible décart, on peut arriver à des choses aussi catastrophiques que ça, mais j'espère que ça ne se voit plus. Cliniquement, bon, mon ami Dr Loyer en a parlé, devant une hypoxie cornéenne aiguë, on peut voir, là, comme vous le voyez, c'est une lentille cosmétique, probablement achetée dans le commerce. Peut-être qu'elle a dormi avec, je ne sais pas, c'est une image qui ne m'appartient pas. Cliniquement, on va avoir au réveil une baisse d'acuité visuelle brutale, une douleur modérée, un œil rouge avec un cercle péricaratique, une érosion cornéenne à la lampe à fente, un œdème de cornée avec des plis desmétiques. Donc, évidemment, cette lentille doit être retirée en urgence avec des larmes artificielles. Alors, ça, c'était le cas d'hypoxie aiguë. On a aussi des cas d'hypoxie chronique qui sont, elles sont très rarement une urgence, mais leur méconnaissance peut piéger un clinicien non averti. Pourquoi ? Parce que ça peut être pris pour des infections. Et donc, à tort, on peut donner des antibiotiques. À tort, on peut demander au patient de ne plus porter sa lentille, alors qu'il faut tout simplement changer de matériau pour pouvoir avoir une meilleure oxygénation de cette cornée. Alors, en cas de chronicité donc, de cette hypoxie, on va avoir une hyperémie limbique, on va avoir une néovascularisation, le plus souvent retrouvée chez les porteurs de lentilles en hydrogel à bas décat sur eux, encore depuis plusieurs années, bien entendu. C'est beaucoup plus rare chez les porteurs de lentilles rigides perméables à l'oxygène. Mais ces patients, dès qu'on leur change de matériaux ou qu'éventuellement on les passe en rigide, on appelle ça les porteurs de lentilles à bout de souple, au lieu de dire à bout de souffle, à bout de souple, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés au maximum d'anoxie et donc il faut à ce moment-là penser à changer de matériau. On peut avoir des microkystes épithéliaux et également des micro-opacités cornéennes. Donc il vaut mieux en parler par image. Donc là, on va à plusieurs niveaux de néovascularisation limbique, voire jusqu'à la néovascularisation cornéenne. On voit là, au niveau de la spéculaire, la modification des cellules endothéliales. On voit dans la première image en bas à gauche des micro-opacités. Voilà, alors on va parler maintenant des étiologies. Bon, vous l'avez compris, les étiologies. Donc, c'est une complication qui ne devrait plus se voir avec les nouveaux matériaux. Mais elles réapparaissent. Pourquoi ? À cause des mésusages, parce que soit on ne leur explique pas comment faire, soit ils ne le font pas correctement, ou à cause d'adaptations non médicalisées. C'est un acte médical, rappelons-le. Les achats sauvages sur Internet, le low cost, qui commercialise des lentilles à très faible décart et qu'on voit même plus sur le marché, le port permanent sauvage aggravé par le port de lentilles non homologué par le port continu, dépassement des durées de remplacement, des lentilles de couleur achetées en vente libre, mais aussi les lentilles, ce qu'on appelle les lentilles festives pour Halloween ou pour… voilà, ce sont des lentilles absolument pas homologuées, achetées dans le commerce, on passe une soirée avec et le lendemain, on se retrouve avec une anoxie aiguë. Donc, en pratique, quelles sont les questions à se poser devant une hypoxie, devant une néovascularisation ou devant les signes qu'on a évoqués auparavant? Ben, il faut essayer de voir avec le patient. Quelles sont les lentilles que vous portez? Est-ce que vous êtes capable de m'apporter le boîtier pour voir, afin que je puisse voir le décat de cette lentille? Pendant combien de temps vous les portez dans la journée? Regardez l'adaptation. Est-ce qu'elle est correctement faite? Est-ce que la lentille bouge? Est-ce que le rayon de courbure vous semble adéquat? Et est-ce que la lentille est adaptée pour le profil? Est-ce que c'est la bonne lentille pour la bonne personne? Donc, quelle est la conduite à tenir?
Bon, il est classique de dire que la lentille rigide est la lentille de première intention grâce au respect physiologique, mais beaucoup de progrès ont été faits en matière de lentilles souples et amélioration des produits d'entretien. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que devant un jeune, il faut aller plus vers la lentille jetable journalière. C'est beaucoup plus sécuritaire pour lui. Il n'y a pas de mesure d'hygiène, enfin, il n'y a pas de mesure d'entretien, parce que l'hygiène, évidemment, il faut être très scrupuleux en matière d'hygiène, mais je parle du changement de produits quotidien. Et comment connaître ces lentilles à eau des cas sur eux? Ben, on a un compte à guide qu'on peut regarder sur Internet. On a nos amis qui nous présentent le laboratoire, les bonnes lentilles adaptées. Voilà, donc là, c'est juste un petit cas clinique d'une jeune fille que j'ai vue juste ce matin. Elle a 15 ans, elle est myope forte avec un astigmatisme. Elle est venue chez moi, elle portait des lentilles souples toriques trimestrielles. Elles étaient décentrées vers le bas, donc elles n'étaient pas correctement adaptées avec un astigmatisme résiduel de moins d'une 50. Bon, elle n'avait pas réellement de signes d'anoxie ni de néovascularisation. C'était relativement correct à ce niveau. Mais là, j'ai estimé que ce n'était pas la bonne lentille pour la bonne personne parce qu'elle les porte quotidiennement et elle a un astigmatisme résiduel. Donc, je l'ai switché en lentille rigide. Et puis, voilà, elle n'est pas encore revenue me voir avec ses lentilles rigides parce que je l'ai adapté que ce matin, mais je pense que c'était la bonne décision pour la bonne personne. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Lamia. Merci beaucoup. Très, très intéressant et surtout très instructif, tous ces problèmes d'hypoxie auxquels tous les ophtalmologistes doivent penser et tous les patients porteurs de lentilles doivent être contrôlés pour ce genre de complications. Donc, on va essayer de passer à... S'il n'y a pas de questions, donc à la communication suivante qui concerne les infections sous lentilles de contact avec professeur Ptissem Ouazzel. À toi la parole, Ptissem. Est-ce que Ptissem est là? Oui, oui, je suis là. Bien, marhaba. Donc,
je désactive ma caméra. Non, non, خليك. Chers amis, donc pour un problème technique, on va passer à la communication ou à la conférence du professeur Bouchra Adlali sur l'inflammation et lentilles de contact. Juste en attendant, et on reviendra après pour écouter la conférence du professeur Wazani. Et donc, pour un peu économiser notre temps, donc je donne tout de suite la parole au professeur Adlali qui va nous parler de l'inflammation et lentilles de contact.
les chers amis, donc on a pu régler ces petits problèmes techniques. Et donc, je donne tout de suite la parole au professeur Al-Lali qui va nous parler de l'inflammation et lentilles de contact. À toi la parole, professeur Al-Lali. Merci, professeur Belmekki. Merci, Hassna, pour l'invitation pour assister à ce magnifique panel qui joint les praticiens en contactologie. Donc, en ma charge, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Vous voyez ma diapo, mes diapos? Oui, on voit votre diapo. On peut commencer. Donc, on m'a... On m'a chargé de... Hassna m'a chargé de parler de l'inflammation et lentilles de contact, ou plus précisément, les complications inflammatoires générées par le port de lentilles de contact. Donc, comme on le sait tous, les lentilles de contact interagissent avec la surface oculaire. Elles induisent des changements physiologiques qui sont acceptables et qui peuvent et qu'on doit différencier par rapport aux changements pathologiques, qui sont source de potentiels, de certains potentiels effets indésirables et d'éventuelles complications qui sont liées à ce port de lentilles de contact. Donc, bien sûr, c'était question qu'on aborde avant les complications infectieuses par mon ami Ibtissam, qui va probablement prendre la parole après moi. Donc, il y a toutes les complications qu'on voit suite au port de lentilles de contact. Bien sûr, un port non sécuritaire, il y a les complications allergiques. Je cite les complications hypoxiques qui ont été bien détaillées par mon ami Lamia. Les complications mécaniques, les différents incidents dus aux complications mécaniques. Nous, on va parler, je vais axer surtout sur les complications inflammatoires, sachant que le processus inflammatoire, il peut être intriqué dans différentes complications déjà citées, notamment les complications allergiques et les complications infectieuses. Donc, ils prennent de plus en plus d'ampleur, ces complications inflammatoires, qu'il faut d'emblée faire la part par rapport aux complications infectieuses, c'est la hantise, de ne pas traiter à temps un abcès et de laisser le laisser évoluer comme un ulcère simple. Donc, et je cadre ma discussion sur quatre complications principales qui sont les infiltrats stériles, la kératoconjonctivite induite par le port de lentille de contact, les ulcères périphériques induits par le port de lentille et la conjonctivite gigantopapillaire. Donc, je démarre par les infiltrats stériles. Cliniquement, ce sont des infiltrats qui se manifestent par un tableau qui n'est pas trop bruyant, on va dire, cliniquement. C'est indolore, il y a absence de douleur oculaire, il n'y a pas beaucoup de sécrétions au niveau de l'œil. On trouve des lésions périphériques qui peuvent être uniques ou multiples. Et l'examen clinique en regard retrouve un épithélium cornéen qui est intact, avec sans prise de fluo négatif, et une chambre antérieure calme. Donc, ce qui fait écarter cet infiltrat stérile par rapport à un infiltrat infectieux. Un petit mot sur l'étiopathogénie de ces infiltrats stériles. Généralement, c'est les bactéries gram négatifs et gram positifs qui colonisent le bord libre des paupières. Ils vont sécréter un ensemble d'exotoxines. Ces exotoxines vont créer un phénomène inflammatoire à type d'hypersensibilité et la cascade inflammatoire qui démarre avec la différentes réactions et facteurs, sécrétion de facteurs d'inflammation. Alors, sur cette fiche-là, c'est ce qu'on appelle la grille d'Azuri, qui permet de calculer le score de gravité en fonction de l'importance de signes cliniques. Et on va dire en fonction de la présence d'œdème ou non palpébral, la présence ou non d'injection conjonctivale, est-ce qu'elle est localisée ou diffuse, en fonction du forme de la forme de l'infiltrat, est-ce qu'il est rond ou bien irrégulier. En fonction de la taille de l'infiltrat, il y a des infiltrats qui est inférieur à 1 mm, il y a des infiltrats qui dépassent 1 mm. En fonction également de la présence ou non de lésions épithéliales, l'état de la cornée autour de l'infiltrat, tous ces paramètres vont nous permettre de calculer ce qu'on appelle le score de gravité et on doit retenir ce chiffre-là. Ainsi, un score qui est inférieur à 8, c'est un infiltrat qui est jugé non infectieux et dont on peut le traiter calmement sans problème. Et c'est dès que cet infiltrat il dépasse 8, on est devant un infiltrat qui est très suspect, et une carité infectieuse débutante dont il faut traiter et prendre en charge convenablement et correctement.
Donc, la deuxième complication, après les infiltrats stériles, on parle de la kératoconjonctivite induite par le port de lentille de contact, ou ce qu'on appelle le clair. Réaction inflammatoire, généralement, c'est une réaction qui est aiguë, qui est douloureuse. Donc, ici, c'est le tableau, il est bruyant. Et c'est différent par rapport à l'infiltrat stérile. Suite à quoi? Suite à un port de nocturne de lentille de contact, un patient qui dort avec sa lentille. Et le lendemain, il se réveille avec une douleur aiguë. C'est un tableau qui est bruyant, où on a la douleur oculaire et la rougeur oculaire. Donc, généralement, ça coïncide avec une infection, une rhinite, un rhume, une infection des voies aériennes. Généralement, il y a après la fermeture de l'œil, au cours de ce port nocturne, il n'y a plus de renouvellement correct des larmes. Et de ce fait, le renouvellement ne se fait pas correctement. Donc, il y a sécrétion des facteurs pro-inflammatoires. Ils peuvent être également dus au dépôt dénaturé qui se colle sur la face postérieure de la lentille, ou bien si on est devant une adaptation trop serrée, donc il faut faire attention. Donc, devant ce tableau-là, il faut guetter la kératoconjonctivite induite par le port de lentille de contact. Cliniquement, c'est un œil rouge qui est douloureux, avec l'alarmement, la photophobie. On est devant les signes d'irritation conjonctivale. On voit déjà les signes d'irritation sur la conjonctive, une injection bulbaire, péricornéenne, des infiltrats qui sont un peu dispersés, qui peuvent être diffus ou bien localisés et qui sont généralement de résolution rapide. C'est-à-dire qu'une fois on enlève la lentille, ils peuvent disparaître rapidement. J'insiste qu'il n'y a pas de prise de fluo en regard, il n'y a pas de prise de fluo récéine notable. Et bien sûr, toujours, il n'y a pas de réaction réaction de la chambre antérieure pour écarter et faire la part des choses entre un tableau de conjonctivite ou bien un tableau carrément d'un infiltrat infectieux. Le traitement, comment on va traiter cette conjonctivite? Bien sûr, on va arrêter le port de la lentille qui est responsable de cette complication inflammatoire. Il faut surveiller et rester vigilant, surveillance rigoureuse, bien sûr, quant à les infiltrats et les lentilles et l'aspect et l'état de la chambre antérieure. Bien sûr, il faut s'aider toujours par les agents mouillants et on préfère toujours, et en l'occurrence, les agents sans conservateur, assurer une bonne hygiène palpébrale. Assurer un port journalier, dans ce cas-là, il faut arrêter le port nocturne. Et en moindre doute, il faut démarrer une antibiothérapie, quitte à être une antibiothérapie probabiliste, pour ne pas passer à côté d'un problème infectieux assez sévère. La troisième complication inflammatoire, dont il faut également y penser et traiter, c'est les ulcères périphériques induits par le port de lentille, ou bien le contact lens périphérique ulcère. C'est des infiltrats, comme on le voit, c'est un ulcère qui est en périphérie, voilà, comme son nom l'indique. Il est généralement unilatéral, on le voit ici, unique, de 0,2 à 1,2 mm de taille. Ça ne prend pas le fluo, la prise de fluo généralement au niveau de l'épithélium sous-jacent, mais grossièrement, lorsqu'on injecte la fluo, ça ne prend pas la fluo. Et il est rond, on va dire rond, entouré d'une lésion dans le stroma antérieur avec une rougeur localisée. Vraiment, pour faire toujours la part des choses entre cet ulcère périphérique non infectieux et la part des choses avec l'ulcère infectieux. Un petit mot sur l'étiopathe de ce contact lens périphérique ulcère. Bien sûr, comme on le sait, le port de lentille de contact, il engendre une atteinte épithéliale avec l'afflux des antigènes. Cette atteinte épithéliale va donner naissance éventuellement à déclencher des messagers chimiques. Et on va dire que c'est comme si une cascade de libération de médiateurs qui va se déclencher. Il y a deux grandes rubriques qu'il faut retenir pour faire la part des choses. Et dans la cornée centrale, où on a, bien sûr, il n'y a pas d'activité limbique, on est loin du limbe. Et bien sûr, il y a même la perte de l'activité et la réponse du système immunitaire. Donc, ce qui nous fait devant un tableau devant une kératite microbienne avérée proprement dite. Maintenant, ces messagers chimiques, ils vont se coloniser au niveau de la cornée périphérique. Et comme on le sait, la périphérie, c'est qui dit périphérie dit limbe. Et qui dit limbe dit une réaction avec un système immunitaire qui est là, avec l'inflammation des cellules locales. Et voilà l'ulcère qui va se générer au niveau de la périphérie suite à ce port de lentille de contact.
Donc voilà, retenons ce schéma-là, cornée centrale, cornée périphérique. Cornée centrale, on s'éloigne du limbe, c'est la carie microbienne. La cornée périphérique, c'est le CLPU, le contact lens périphérique ulcère. Le début, généralement, il est brutal, c'est-à-dire que la symptomatologie elle n'est pas très, très bruyante, comme on dit, comme la kératoconjonctivite. Elles peuvent être asymptomatiques ou bien juste une irritation, une simple irritation modérée, avec une légère rougeur oculaire et un larmoiement, bien sûr, toujours les signes d'irritation qui suivent et sensations de corps étranger. Bien sûr, toujours le diagnostic différentiel, j'insiste toujours, c'est la carie microbienne dont il faut faire la part des choses. Traiter, comment traiter? Ablation de la lentille, qui est responsable. Céder par des colires, s'il le faut, si on est devant un truc un peu suspect. On peut démarrer également des colires quinolones à base de quinolone ou bien la rifamycine et contrôler pour vérifier est-ce qu'on est sur la bonne voie thérapeutique. La quatrième complication, la conjonctivite gigantopapillaire, que je vais dire, elle joint le mécanisme inflammatoire associé au mécanisme mécanique et bien sûr la composante allergique. On trouve des papilles volumineuses lorsque on inverse la conjonctive, sur la conjonctive tarsale, à l'inversion des paupières. Bien sûr, il y a les signes de la symptomatologie qui sont bruyants, c'est le prurite, le corps étranger, avec les sécrétions muqueuses. Donc, on est devant un contexte d'allergie qui se déclenche suite à cette conjonctivite gigantopapillaire. Donc, l'origine mécanique et l'immuno-allergique qui se rajoute à l'origine inflammatoire. Bien sûr, il y a toujours un terrain particulier, c'est l'atopie, un sujet jeune généralement, qui est soit asthmatique ou bien se plaint de rhinite allergique et dont il faut faire attention. Donc, je fais l'accent ici lors de l'interrogatoire minutieux de demander les antécédents médicaux du patient, est-ce qu'il est asthmatique ou bien allergique. Le port prolongé ou permanent, généralement, ils peuvent être responsables de cette conjonctivite gigantopapillaire. On trouve à l'examen des dépôts sur la lentille. Généralement, c'est une lentille rigide, c'est l'apanage des lentilles rigides de grand diamètre. Et quand on cherche à l'interrogatoire, on trouve un renouvellement insuffisant ou bien un port qui est non sécuritaire des lentilles avec un entretien qui est mal conduit. À ces règles-là qui ne sont pas bien respectées, se rajoutent les dysfonctionnements meibomiennes qui sont souvent associés à cette pathologie allergique ou gigantopapillaire. Alors, ça, c'est un tableau qui stadifie la conjonctivite gigantopapillaire en stade 1, 2 et 3 et 4, dont il faut absolument faire la part des choses pour voir la sévérité et pour entretenir un traitement convenablement pour traiter ce patient. Donc, il faut toujours stadifier la conjonctivite gigantopapillaire. Comment traiter cette surface ou bien cette conjonctivite gigantopapillaire? On traite la surface oculaire, comme je viens de dire, et sont généralement associées à la dysfonctionnement meibomienne. Généralement, on traite la blépharite avec tout le protocole que tout le monde sait. Bien sûr, le traitement anti-allergique, anti-dégranulomastocytaire, phase aiguë, phase chronique. On peut céder également aux corticoïdes locaux pour traiter cette conjonctivite gigantopapillaire. Éviction de tous les facteurs d'allergènes, comme si devant un terrain allergique, donc il faut qu'on traite tous les facteurs qui activent ou bien qui induisent cette conjonctivite. À éviter également le port continu ou prolongé, c'est à proscrire. Et bien sûr, toujours veiller et faire attention aux solutions d'entretien multifonction qui doit être sans conservateur. Alors, au terme de cette complication que je vais citer, on a vu les infiltrats stériles, on a vu la conjonctivite gigantopapillaire, on a vu la kératoconjonctivite, les ulcères périphériques. Donc, on peut les traiter, oui, sans problème, dont il faut guetter surtout ces ulcères infectieux ou bien la kératite microbienne, dont il faut faire par la part des choses et la traiter convenablement pour ne pas laisser les choses évoluer vers un drame. Donc, je peux terminer ma première partie de topo par une note positive en citant que dans les différentes, ou bien la dernière littérature qui précise que le port de lentille, il est intrinsèquement inflammatoire, qu'il y a une composante pro-inflammatoire lorsque quelqu'un porte une lentille. Ça c'est connu maintenant par tout le monde. Il faut savoir faire la part des choses entre une inflammation
en tant que complication ou bien une inflammation en tant que phase infraclinique, que parfois les inflammations infracliniques subtiles, chroniques, peuvent être considérées comme positives. Pourquoi ? Parce qu'ils peuvent maintenir un état d'alerte immunitaire. Ça, c'est nouveau sur la littérature, sur les derniers travaux de recherche. Et il y a des voies de recherche par les différents laboratoires à l'échelle mondiale, dans ce sens, qui sont en train de voir comment essayer de maintenir un état d'alerte immunitaire qui va favoriser ces états inflammatoires à l'étape infraclinique sans qu'on passe obligatoirement à l'étape pathologique. Voilà, c'est la première partie du topo. Et j'enchaîne par les cas cliniques que Hsna m'a chargé de faire, de présenter juste après ma communication. Donc, le premier cas clinique, c'est l'enfant Imen, âgé de 11 ans, sans antécédent pathologique particulier. Et dans l'histoire de la maladie, c'est une enfant qui a porté des lentilles souples cosmétiques pendant 3 heures. Je dirais pendant 3 heures, pourquoi ? Parce qu'elle était censée assister à une fête de fin d'année. Et elle est partie chercher une lentille colorée et elle les a portées pendant 3 heures. Donc, la maman, elle est formelle que la durée n'a pas dépassé 3 heures. Bien sûr, aucune règle d'hygiène en route a été mise pour l'entretien de la lentille. Et elle se présente dans notre service d'ophtalmologie pédiatrique dans un tableau de rougeur et douleur oculaire avec baisse de l'acuité visuelle. Ça date du mois 6 2011. Ça fait à peu près 9 ans. Hein. Donc, l'examen clinique daté du 28 6 2011 retrouvait une acuité visuelle à compte des doigts de près, un œdème de cornée, donc un drame, une joie qui s'est transformée en drame, un abcès de cornée centrale, comme on le voit, prenant toute la cornée, avec carrément un hypopion, une lame d'hypopion, compliquée d'ophtalmie, un appel périvasculaire, périlimbique, un hypopion dans la chambre antérieure. Alors l'examen bactériologique montre l'examen de la lentille, isole un pseudomonas aeruginosa, et l'examen du boîtier et du liquide de conservation, ils sont stériles. Donc, on a entretenu, un traitement adéquat a été entretenu à base de coulées fortifiées, comme on le sait, vancomycine, ceftazidime, amikacine. On était amené à injecter par la voie injectable, ceftazidime. On est passé même métronidazole également et un cocktail dilatatoire, atropine, midriaticum. Donc, après une petite, on va dire, après cicatrisation de l'abcès et une accalmie de l'infection, comme on la voit sur la photo, il n'y a plus d'hypopion, l'œil il s'est calmé, mais au prix d'une opacité cornéenne qui prend presque toute la cornée, avec un appel périvasculaire et des néovaisseaux périlimbiques. Donc, une kératoplastie transfixante a été faite. Donc, on a greffé cet enfant associé à un traitement d'amblyopie. Donc, je dirais ça, c'est au mois 12 2011. Et comme on le sait tous, greffer un enfant ou bien greffer n'importe quel patient égale à suivi. On a suivi ce patient, on a suivi cette patiente. C'est vrai que c'est un suivi qui a nécessité beaucoup de patience et beaucoup de rigueur pour arriver à un résultat final, je dirais un beau résultat anatomique et fonctionnel. Après un recul de 5 ans, l'enfant a gagné une acuité visuelle à 8 dixièmes et avec une réfraction, comme on la voit sur le ticket de réfraction, moins 3 à moins 75 à 160 degrés. Bon, je dirais un malheur au début, un drame qui s'est transformé en joie. On pouvait guetter cette complication, on pouvait éviter ce port de lentilles cosmétiques. Mais lorsque les choses sont là, il faut essayer de faire beaucoup de choses, de traiter de manière énergique, de manière très, très rigoureuse pour arriver à ce résultat comme vous la voyez sur la diapositive. Donc, le deuxième cas, c'est Hasna, a eu 33 ans. Il est suivi cette patiente pour une hypermétropie corrigée par le port de lentilles de contact. Donc, cette patiente, elle a porté des lentilles souples à l'âge de 25 ans. Donc, et le total de la durée du port était de 8 ans. Donc, c'est une patiente qui est instruite, c'est-à-dire qu'elle sait ce qu'elle fait, elle sait manipuler ses lentilles, sachant que c'est des lentilles souples. Elle les portait d'une manière, c'est un port mensuel,
sécuritaire et elle était formelle qu'elle a respecté toutes les règles d'hygiène nécessaires. Donc, l'histoire de la maladie, la patiente, elle accède à notre service dans un état alarmant, un œil rouge douloureux, avec brouillard visuel et photophobie depuis une semaine. Donc, c'était au mois de 2006. C'était compliqué d'abcès de cornée. Donc, comme on la voit, ça, c'est après une accalmie. Hein. Donc, on a creusé un long chemin. Il y avait un abcès de cornée paracentrale, des smétocèles centrales, un magma fibrineux qui remplissait toute la chambre antérieure avec un tendal de chambre antérieure. Alors, le prélèvement de la lentille retrouvait des filaments mycéliens. Donc, on est devant une keratomycose associée à des levures. L'examen du boîtier et le kit de conservation étaient stériles. Alors, donc, le traitement qui était instauré au mois de 2006, c'est des couleurs fortifiées à base de vancomycine certadizine amphotericine B. On était amené également à faire de l'amphotericine B par voie injectable, par voie intraveineuse. Et également, on a injecté même en intracamérulaire de la vanco, de la certadizine et de l'amphotericine B. Donc, c'était pour... Et pour arriver à ce stade-là, parce que malheureusement, je n'ai pas trouvé la photo, où il y avait presque un desmétocèle préperforatif. Donc, le globe était presque en perforation imminente. On l'a greffé. Cette patiente a été greffée par professeur Ktani au service. Et elle a bénéficié d'une greffe de cornée avec une iridoplastie, parce qu'il y avait, l'iris qui était déchiqueté ici. Donc, on a essayé de greffer cette patiente avec une iridoplastie. Je note qu'au cours de ce suivi, la patiente a eu un épisode de rejet récupéré en 2018 par les boluses de corticoïdes et par la corticothérapie renforcée locale et générale. Et encore une fois, une bonne fin, une fin heureuse. Et la patiente est très reconnaissante, Hasna. Donc, elle est à 8 dixièmes. Avec, bien sûr, corrigé avec une correction, la réfraction automatique qui est à plus 8,75, moins 4,50 d'astigmatisme. Donc maintenant, elle porte ses lunettes et elle a juré qu'elle ne porte plus ses lentilles, qu'elles soient souples ou rigides. Donc c'est une réticence qui est devenue à vie. Hein. Donc en concluant ces cas cliniques que j'ai présentés, je dirais une urgence médicale. Certes, par excellence, il faut alarmer le malade, il faut alarmer le médecin de garde, il faut alarmer le laborantin pour examiner et la lentille et le boîtier et les prélèvements oculaires, notamment les écouvillons conjonctivaux. Le pronostic visuel, il est compromis, donc il faut faire le maximum. Information médicale des porteurs, comme elle a dit, comme l'a bien dit mon ami Lubna, docteur Lubna Louali, information médicale des porteurs lors de la première consultation et des contrôles ultérieurs. À chaque fois, essayer de rappeler, même si on voit que c'est simple et que c'est connu et c'est intégré dans la tête, prendre le temps d'expliquer et réexpliquer au patient, valider avec le patient toutes les étapes des règles d'hygiène, d'entretien, de renouvellement qui doivent être respectées à la lettre. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Alali. Vraiment très, très intéressant. C'est vrai que la limite entre l'inflammatoire et l'infectieux est parfois très difficile. Et c'est pour cela qu'on va demander tout de suite à notre ami professeur Ouazzani de nous parler des complications infectieuses. Il y a déjà une question qui est sur le YouTube sur comment différencier ce qui est infectieux de ce qui est inflammatoire. Vraiment, je vous remercie parce que c'était vraiment très, très intéressant. Et en attendant, donc, je pense que, professeur Ouazzani, vous êtes prête?
Merci Si Mohamed, merci Hsna pour l'invitation. Alors moi je suis chargée de parler du PIR, donc de parler des infections cornées sous lentille de contact, c'est-à-dire des kératites bactériennes, fongiques et amibiennes. Alors ce sont de véritables urgences. Les infections cornées sur lentille nécessitent une prise en charge standardisée afin d'éviter tout retard diagnostique et thérapeutique susceptible d'assombrir le pronostic visuel. Les agents pathogènes les plus virulents peuvent détruire une cornée en quelques heures et un œil en quelques jours. Alors, les abcès de cornée liés au port de lentille de contact représentent l'étiologie la plus fréquente des infections cornéennes. L'incidence serait plus faible lors du port journalier et s'approcherait un peu de l'incidence de celle des lentilles rigides perméables au gaz. La perte d'acuité visuelle après ulcère cornéen infectieux est estimée à 11 à 13%, ce qui est énorme. L'organisme pathogène en cause reste le facteur déterminant de la sévérité de l'atteinte. Et les cas qui ont sévères, qui ont nécessité une hospitalisation, représentent 30% des visites en urgence. L'incidence et risque relatif est fonction du type de port et des lentilles portées. En effet, l'incidence des complications avec les lentilles en silicone hydrogel est à peu près, sur des études anciennes, égale à celle des lentilles en hydrogel. Et donc, on conclut que c'est plus un écart de l'hygiène et de l'entretien des lentilles. Pareil pour l'incidence des complications infectieuses avec les lentilles jetables journalières. Normalement, les complications devraient être moindres dans cette catégorie, mais elle est comme les lentilles à remplacement fréquent, donc aussi par problème d'hygiène. Le port permanent en lentilles souples est un facteur de risque à lui seul. Donc, qui dit port permanent, ça veut dire que c'est des patients qui dorment avec leurs lentilles et quel que soit le matériau utilisé. Le risque est multiplié par 5 à 15 fois. Les kératites infectieuses donc, peuvent être d'origine bactérielle, fongique ou parasitaire, comme on l'a dit. Et donc, dans ces cas, le patient doit aller consulter l'ophtalmologiste en urgence et un diagnostic et un traitement d'urgence doit être démarré parce que le pronostic visuel peut être engagé. Alors, la flore commensale des conjonctives, elle est responsable de la plupart des infections de la surface oculaire, à condition qu'il y ait une rupture de la barrière qui est l'épithélium ou s'il y a une souffrance cellulaire. En effet, les micro-lésions lors de la pose et de la dépose des lentilles de contact, associées aux problèmes d'hygiène et d'entretien des lentilles de contact, et l'utilisation de produits d'entretien de mauvaise qualité, donc font que le patient peut déclarer une infection. Alors, comme il a déjà été dit, il y a tous les porteurs de lentilles de contact modifient leur flore conjonctivale, même s'ils sont asymptomatiques. Et donc, on trouve des bacilles Gram négatifs à 73%, des pseudomonas, etc. Alors, dans les kératites, chez les porteurs de lentilles de contact, les mêmes germes sont retrouvés. Ils sont peut-être plus virulents. Le staphylocoque, pseudomonas, entérobactéries et streptocoque. Et donc, ils sont responsables de 90% des kératites bactériennes sous lentilles de contact. Et ces pourcentages et ces germes, leur virulence change d'un pays à l'autre et d'une région à l'autre. Alors, les signes cliniques et les symptômes dépendent de la virulence du germe, comme on a dit, et de la durée de l'infection. Le début est souvent bruyant, avec les signes qu'a cité
Bouchara tout à l'heure, douleur, rougeur, larmoiement, photophobie, baisse de l'acuité visuelle sera fonction de la localisation des lésions cornéennes par rapport à l'axe visuel. Et donc, dans ces cas-là, il faut enlever immédiatement les lentilles de contact et consulter en urgence son ophtalmologiste, et il faut en prévenir le patient quand il est adapté. Les lentilles rigides perméables à l'oxygène, comme c'est des lentilles qui bougent sur l'œil à chaque clignement, donc s'il y a la moindre effraction de l'épithélium cornéen, ça va entraîner une douleur, et donc le patient va enlever sa lentille de toutes les manières, il ne la supportera pas. Par contre, les lentilles souples, elles font un effet pansement sur la cornée, et donc elles ont un effet antalgique au début, et le patient ne s'en rend pas compte, et ce qui retarde le diagnostic. Alors, plus la lentille est enlevée rapidement, et moins la prolifération des germes sur la lentille est active. Donc, il est important d'informer les porteurs sur les symptômes qui doivent les amener à retirer leur lentille de contact et à consulter en urgence. Tout retard diagnostique et thérapeutique est délétère pour cette urgence médicale thérapeutique. Donc, un bon interrogatoire précisera les conditions de survenue, les médicaments en cours ou déjà reçus, et le port de lentilles de contact est le facteur de risque retrouvé dans 40 à 50% des kératites bactériennes. Il est retrouvé dans la proportion de 25 à 40% dans les kératites fongiques et dans 90% des kératites amibiennes qui se baignent avec leurs lentilles et qui se douchent avec leurs lentilles. Donc, les principales conduites à risque sont le port nocturne ou prolongé. Donc, il ne faut pas essayer de ne pas dormir avec que dans des conditions bien spéciales. Une mauvaise hygiène d'entretien des lentilles ou des boîtiers. Le nager avec ses lentilles n'est pas une bonne chose. Se doucher avec ou la rincer à l'eau de robinet. Cela donne des kératites amibiennes très difficiles et qui engagent le pronostic visuel du patient. Le non-respect des délais de renouvellement des lentilles aussi ressort, ainsi que les produits d'entretien. Alors, l'examen clinique donc retrouvera les signes d'infection cornéenne active, donc tous les signes qui ont été cités, donc et on va évaluer l'ulcère épithélial, l'infiltrat stromal localisé ou diffus. Il faut en préciser toutes les caractéristiques, la localisation, la couleur, la densité, la dimension, etc. Les bords, une fente de nécrose, etc. Et rechercher des infiltrats satellites, des néovaisseaux et une réaction inflammatoire de la chambre antérieure. L'examen aussi de la cornée adjacente à la zone infectée, de la cornée contralatérale, et puis toutes les autres structures oculaires doivent être évaluées et ne pas oublier de tester la sensibilité cornéenne chez ces patients. Donc, tout cet examen initial sera reporté sur un schéma détaillé qui sera répété au cours du suivi, mais mieux maintenant avec les caméras sur les lampes à fente, on prend des photos et on peut suivre un peu l'évolution de manière un peu plus objective. L'identification du processus infectieux est parfois plus difficile dans la pratique quotidienne, car l'infection peut survenir sur une cornée pathologique ou si le patient a déjà été traité par des antibiotiques au préalable. Il y a aussi un autre problème, c'est que chez ces patients, il y a la possibilité de coexistence chez ces porteurs de lentilles de contact d'infections bactériennes, mycosiques ou amibiennes. Et donc, la part des choses est difficile à faire dans ces cas-là. Les critères de gravité, donc c'est une étape capitale, il faut la déterminer pour déterminer les modalités de prise en charge. Ces critères de gravité peuvent être locaux ou généraux et ils sont communément admis. Cela nous permettra de savoir est-ce qu'il va falloir hospitaliser le patient ou le voir à titre externe. Est-ce qu'il en demande un examen microbiologique? Est-ce qu'on prescrit un traitement anti-infectieux renforcé? Donc, c'est très important à préciser. Nous allons voir le tableau tout à l'heure. La grande majorité de ces infections ne possèdent pas de critères de gravité. Et donc,
ils sont traités à titre externe et ils évoluent bien et on n'a pas besoin de leur faire de grattage cornéen. Par contre, quand il s'agit, donc les critères de gravité, c'est ce que vous voyez sur ce tableau, donc tout abcès de cornée qui s'accompagne d'une réaction de chambre antérieure, ne serait-ce qu'une croix, qui mesure plus de 2 mm ou qui a un diamètre situé à moins de 3 mm de l'axe optique, sera considéré comme grave. Et donc, il faut hospitaliser le patient et considérer que c'est une atteinte grave. Il y a aussi les facteurs généraux, les monophtalmes, les enfants, les immunodéprimés et ceux qui ne suivent pas bien leur traitement. Donc, ils sont considérés, ils risquent de s'aggraver. Donc, il faut les hospitaliser aussi. Alors, ce tableau, c'est un tableau que vous trouverez sur tous les bouquins de contactologie et d'urgence. Donc, il nous montre un petit peu les caractéristiques des kératites bactériennes, des kératites fongiques et des kératites amibiennes sur le plan incidence, risque et sur le plan clinique. Donc, nous allons voir plutôt des images. Alors, j'ai eu le privilège d'avoir des photos par le biais de mon ami professeur Sharkawi. C'est des patients de l'ophtalmologie A et j'ai fait partie de l'équipe de l'ophtalmologie A pendant des années. Donc, ici, c'est un abcès étendu donc, chez un patient qui a été traité. Donc là, c'est le suivi au cours du traitement. Et là, c'est après traitement. Donc, il a gardé une opacité séquellaire, empiétant sur l'axe visuel et donc retentissant sur son acuité visuelle. Alors ici, c'est un abcès fongique. Abcès blanc grisâtre à bord flou, comme c'est décrit pour les abcès fongiques, qui est pratiquement la moitié ou les trois quarts de la cornée avec des infiltrats satellites et un hypopion qu'on voit, donc les infiltrats satellites et l'hypopion qu'on voit en bas. Alors, l'anneau immunitaire aussi décrit, donc on le voit bien sur cette image. Un abcès central avec amincissement central et un envahissement, un appel vasculaire qu'on voit là. Et ici, c'est une étude, c'est un travail qui a été fait au sein du service d'ophtalmologie A sur les kératomycoses. Donc ça, c'est les photos de patients. Donc on voit bien cet aspect décrit à bord flou avec des infiltrats et des fois des débris en chambre antérieure. Alors, cette étude, elle avait porté sur 2 ans et les critères d'inclusion étaient soit une preuve mycologique qui n'était pas toujours présente, soit des signes cliniques fortement évocateurs de kératomycose, donc traumatisme par agent végétal, immunodépression, abcès à bord flou, des micro-abcès satellites, présence de flocons dans la chambre antérieure, comme on l'a vu, ou la non-amélioration sous collyre antibiotique et amélioration sous traitement mycosique. Donc, ne disposant pas au CHU d'amphotéricine B ni de natamycine, donc ces patients ont été traités par voriconazole puis fluconazole ou fluconazole seul en fonction des disponibilités. Et l'équipe donc souligne l'accessibilité limitée de la kératoplastie en pratique de tous les jours et surtout des données mycologiques encore insuffisantes même en CHU. Alors donc je reviens à ma présentation. Donc on a dit que la majorité des cas traités par antibiotiques guérissaient sans avoir besoin d'examen microbiologique. Mais dans les cas jugés graves, quand il y a des critères de gravité qu'on a vu tout à l'heure, ou quand on suspecte une kératite amibienne ou une kératite fongique, donc l'examen microbiologique s'impose. Donc c'est le grattage cornéen et le prélèvement de référence, mais il faut aussi adresser les lentilles de contact et les étuis et les liquides d'entretien pour recherche du germe. Ce grattage cornéen sera fait par l'ophtalmologiste à la lampe à fente
Et il doit être, donc selon certaines conditions, mais surtout, il doit être profond, effectué sur la base et sur les berges de l'ulcère. Bien sûr, l'examen direct et toutes les techniques seront utilisées avec, au final, quand il y a isolement d'un germe, un antibiogramme et un antifongigramme qui, sur lequel on adaptera le traitement démarré juste après les prélèvements. Donc, d'autres examens peuvent être utilisés pour suivre surtout l'évolution. Alors, donc, les diagnostics étiologiques, les bactéries, c'est les bactéries dont j'ai parlé tout à l'heure. Les champignons le plus fréquent, c'est le Fusarium aspergillus, Curvularia pour les champignons filamenteux et Candida pour les levures. Pour les amibes, le plus fréquent, c'est la Contamoeba. Alors, le traitement anti-infectieux, le suivi ambulatoire, si on le décide, il faut revoir les patients de manière très rapprochée, toutes les 24 à 48 heures, et être très vigilant. Et il faut donc hospitaliser s'il y a les critères de gravité. Et puis, comme on l'a dit, le traitement sera démarré dès que les prélèvements sont faits et adapté à la gravité des lésions. De nombreux colires antibiotiques sont disponibles, différentes familles, mais il y a aussi les colires renforcés qui rendent énormément service, mais qui sont à usage hospitalier uniquement et qui peuvent donner une toxicité locale. Alors, actuellement, les quinolones de quatrième génération, on en parle beaucoup et sont utilisés dans des formes sévères. Donc, ils ont un spectre antimicrobien étendu, notamment aux bactéries gram-positives, et ont une meilleure pénétration transcornéenne que la génération précédente. Mais des études ont montré qu'il ne faut pas utiliser les quinolones seuls en monothérapie parce que ça peut isoler des souches résistantes. Donc, il faut les associer à un autre traitement, notamment à des aminosides. Concernant le traitement des kératites, il n'y a pas de consensus international concernant la nature des colires antibiotiques ou anti-amibiens à utiliser. Donc, il y a, bon, ça c'est les familles d'antibiotiques disponibles. Donc, le traitement des kératites bactériennes, donc il y a des propositions de protocoles et on traite au cas par cas. Ça, sauf que, ici, je souligne le fait que on donne une dose de charge des colires au départ pour une concentration cornéenne satisfaisante pendant les 5 à 10 premières minutes. Et puis, on passe à une goutte par heure pendant 48 heures. Et puis, on diminue après les 48 heures en fonction de la sévérité, en fonction de… Donc, chaque cas est un cas particulier. Quand les atteintes ne menacent pas immédiatement la vision, donc on peut utiliser une quinolone, par exemple, avec ou sans aminoside, mieux avec un aminoside. Et quand elle menace la vision, on utilise les colis renforcés avec les schémas que vous connaissez. Alors, pour les anti-amibiens, la plupart des protocoles comportent une bithérapie associant les biguanides et un diamidine. Pour les antifongiques, il a été démontré une efficacité supérieure du colire natamycine par rapport au colire voriconazole dans la prise en charge de ces antifongiques. Mais bon, ils ne sont pas toujours disponibles dans notre contexte marocain. Alors, pour les traitements des kératites amibiennes, donc c'est des tableaux que vous trouvez dans les livres de contactologie et les livres d'urgence. Donc, là aussi, c'est des exemples de protocoles donc d'anti-amibiens. On utilise donc la chlorhexidine et le PHMB et l'hexamidine, donc, qui est l'antiseptique qu'on connaît, donc au stade épithélial. Et puis, quand l'atteinte est avancée, donc on préfère toujours jouer la carte du traitement général associé. Alors, pour les traitements des kératites fongiques, la même chose, c'est des exemples de protocoles antifongiques. Alors, quand c'est un début épithélial débutant, qu'on ne sent pas de signe de gravité, donc l'amphotéricine B,
plus ou moins fluoconazol et dans les formes sous forme de filaments, la natamycine a montré son efficacité. Quand c'est des atteintes plus sévères, avec atteinte stromale, sclérite ou en cas d'endophtalmie, on associera un traitement par voie générale et ces patients sont traités au cas par cas parce que c'est des pronostics très réservés. Il y a aussi les traitements chirurgicaux donc, qui rendent énormément service et dans des cas extrêmes, la membrane amniotique, les greffes bouchons. Par contre, la greffe, monsieur le professeur Blumki nous dira que bon, on préfère souvent la faire à froid et donc essayer de maîtriser l'infection et greffer par la suite. Donc, en conclusion, ces atteintes infectieuses de la cornée sous lentille de contact sont des urgences diagnostiques et thérapeutiques, le plus souvent sévères, qui peuvent engager le pronostic visuel. Et donc, je ne raterai pas l'occasion d'insister sur le fait que la contactologie est un acte médical. L'ophtalmologiste doit adapter le patient par la lentille adéquate, donner les conseils d'hygiène, de manipulation et d'entretien des lentilles, surveiller le patient, avertir le patient des signes qui imposent le retrait des lentilles et une consultation en urgence, et prendre en charge rapidement, en urgence, ces kératites infectieuses sous lentilles de contact avant que le pronostic ne soit sombre. Je vous remercie. Alors, j'ai, comme on m'a demandé un cas clinique, donc je voudrais insister. Je ne sais pas si Idriss, ouais, je... service d'ophtalmologie A dont je faisais partie. Alors, c'était 8 cas de kératite infectieuse survenus chez des patients toutes de sexe féminin, immunocompétentes et porteuses de lentilles cosmétiques planes. Donc, il y avait même entre ces patientes des mariées, donc chez qui les coiffeuses changeaient les lentilles de contact en fonction des tenues. Alors, toutes les lentilles ont été achetées dans des parfumeries et dans un seul cas chez l'opticien. Et la marque des lentilles et le matériau n'étaient pas obtenus. Les patientes ne savaient pas ce qu'elles portaient sur les yeux et aucune règle d'hygiène pour l'entretien des lentilles ne leur avait été recommandée. Alors, donc ces abcès bactériens avec des critères de gravité dans tous les cas, donc les résultats des prélèvements étaient positifs dans 87,5% et il s'agissait de pseudomonas dans pratiquement tous les cas associés dans deux cas au staphylocoque et l'évolution était favorable sous traitement avec cicatrisation chez toutes les patientes mais avec des opacités cornéennes séquellaires qui permettaient des acuités visuelles correctes dans trois cas mais plus étendue et grave et invalidante dans 5 cas. Alors ici, donc je passe des images pour vous montrer un petit peu ce que font ces lentilles cosmétiques. Et je remercie professeur Ailali d'avoir présenté ces cas aussi. Donc regardez cet abcès de cornée étendu. Donc, après traitement, il garde une opacité. Donc, ça, relativement, c'est un bon pronostic puisque l'infection a été maîtrisée. Ici, c'est un abcès qui est central avec une opacité séquellaire qui empiète sur l'axe visuel et donc qui retentit sur l'acuité visuelle. Regardez cet abcès qui pratiquement touche toute la cornée. Alors, là, l'opacité résiduelle. Et ce patient, donc, avec cet abcès à gauche, et après traitement, il a gardé une opacité avec un envahissement vasculaire très important. Et comme le confirmerait professeur Bulmeki, un facteur d'échec dans les greffes de cornée. Alors, c'est des cas extrêmement graves.
et les études de la French Study Group for Contact Lens a montré que le risque d'infection sévère de la cornée lié au port de lentilles de contact de couleur à visée cosmétique augmentait de 12,5 fois les complications que celui des lentilles correctrices, parce que leur matériau n'est pas adapté et ne permet pas une bonne oxygénation de la cornée. Et alors, les séquelles visuelles sont plus lourdes dans ce groupe de patients. Elles sont évaluées à 60% avec des cas avec une acuité visuelle inférieure à un dixième. Donc, le pseudomonas aeruginosa est le plus souvent retrouvé, comme dans la littérature. Et ces lentilles de contact cosmétiques planes posent un problème de santé publique, notamment chez nous, parce qu'il y a une diffusion possible dans les circuits de distribution grand public, par Internet, dans les parfumeries, et elles sont assimilées à des produits cosmétiques et non à des dispositifs médicaux. Donc, elles doivent être adaptées, il faut le savoir, de la même manière que les autres lentilles de contact. Il faut les mêmes règles d'hygiène et d'entretien, une surveillance, et la fréquence de renouvellement doit être respectée également. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Psissamouazani. Vraiment très, très intéressant. On comprend la gravité du geste d'adaptation de lentilles de contact et toute la responsabilité qu'on endosse quand on donne une lentille à un patient. Je pense, avant d'entamer la discussion, on va donner la parole à mon ami professeur Hassna Amari, qui va nous parler de la conduite à tenir devant un ulcère, une kératite ou un ulcère sous lentille de contact. À toi la parole, Hassna. Merci à tous les orateurs pour leur participation. Je vais parler d'un petit résumé de tout ce qui a été dit auparavant, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait devant une kératite sur lentille de contact. Alors tout d'abord, c'est quoi une kératite? C'est une perte de substance de la cornée plus ou moins profonde qui peut être soit unique, c'est un ulcère, soit multiple et c'est une kératite. Alors la kératite est très fréquente chez les porteurs de lentilles puisqu'on a 25 à 50% des porteurs de lentilles qui vont présenter une kératite et les causes sont multiples, mais le premier diagnostic à éliminer, c'est l'infection comme l'a très bien dit Tissin. Alors la kératite peut être due soit à une infection, soit à une allergie, soit à un frottement, soit à une altération du film lacrymal, soit toxique secondaire le plus souvent aux produits d'entretien. Alors sur le plan clinique, il n'y a aucune spécificité. Le début peut être soit brutal, soit progressif. On a un œil rouge douloureux. Et là, c'est le danger des lentilles souples parce qu'il calme la douleur qui est provoquée par les ulcères. Par contre, il est impossible de porter une lentille rigide sur un ulcère de cornée. On a très souvent un larmoiement, une photophobie et une intolérance, voire un inconfort avec les lentilles. L'examen va retrouver une baisse d'acuité visuelle variable en fonction de la densité de la kératite et en fonction du siège de l'ulcère. La kératite peut être soit unilatérale, soit bilatérale. Et l'examen doit préciser le siège par rapport à l'axe visuel et les signes associés, le cercle périkératique, etc. Si la lentille est sur l'œil, il faudra vérifier, il faut préciser si c'est une lentille souple ou si c'est une lentille rigide. Et si le patient porte sa lentille, on va vérifier l'adaptation, on va voir la position de la lentille sur l'œil. Est-ce qu'elle ne glisse pas plutôt vers le bas? Est-ce qu'elle n'est pas happée vers le haut? On va voir sa mobilité. Est-ce qu'elle n'est pas ventousée sur la lentille, sur la cornée? L'existence de dépôts sur la lentille, on va rechercher un corps étranger sous la lentille. Et deux éléments qui me semblent très importants au cours de l'examen, c'est qu'il ne faut surtout pas oublier de retourner les paupières et qu'il faut instiller de la fluorescéine après retrait des lentilles, sinon on risque de passer à côté de petits ulcères qui ne sont pas visibles juste avec la lumière de la lampe à fente.
Alors, le diagnostic étiologique va se baser sur un interrogatoire policier. Est-ce que ce sont des lentilles souples? Est-ce que ce sont des lentilles rigides? Est-ce qu'on respecte la durée de validité des lentilles pour les lentilles jetables? Est-ce que c'est un mode de port qui continue ou journalier? Est-ce que le patient n'a pas dormi avec ses lentilles? Et surtout, il faut faire expliquer au patient comment il entretient ses lentilles et vous aurez des surprises. J'ai eu par exemple une dentiste qui rinçait ses lentilles à l'eau de robinet après les laver avec le produit d'entretien. Et demander au patient quel est le produit d'entretien qu'il utilise, est-ce qu'il le change régulièrement parce qu'il faut qu'il ne dépasse pas un mois après l'utilisation. Alors, il faut toujours examiner les paupières, les cils, rechercher un dysfonctionnement meibomien, vérifier la sécrétion lacrymale, retourner les paupières et pour voir s'il y a des papilles ou comme ici, un gros une papille géante sur un granulome à corps étranger. Et surtout, il ne faut pas oublier l'étui. Demander au patient comment il entretient son étui, regarder l'étui, l'aspect du liquide, la durée d'utilisation, est-ce qu'il change à quel rythme il change son étui, et au moindre doute, on va faire une culture de l'étui et des lentilles. Alors, la kératite infectieuse, c'est le premier diagnostic à évoquer devant une kératite. Il faut toujours y penser, même si ce n'est pas la complication la plus fréquente, parce que ça représente moins de 4% des complications des lentilles de contact. Et les plus fréquentes chez le sujet jeune, par rapport au sujet plus âgé, et les plus fréquentes avec les lentilles souples. Alors, ça représente 20% des kératites infectieuses, 80% des kératites infectieuses du sujet jeune, entre 16 ans et 35 ans. Les infections sont de plus en plus graves parce qu'on a une émergence de bactéries multirésistantes et le plus souvent, on retrouve un mésusage des lentilles ou des produits d'entretien. Alors, sur le plan épidémiologique, pour les lentilles souples, on a une kératite infectieuse chez 20 patients sur 10 000 personnes. Les one day sont beaucoup moins fréquentes, 4 patients sur 10 000 personnes. Les rigides sont encore moins fréquentes, 0,4 à 4 pour 10 000 personnes. L'orthokératologie, il y a seulement quelques cas isolés qui sont rapportés dans la littérature et le port prolongé augmente, multiplie par 3 le risque d'infection. Les facteurs favorisants, petit Sam en a parlé, c'est l'hygiène défectueuse des boîtiers des lentilles qui vont entraîner une colonisation bactérienne, mais il faut absolument des micro-lésions de la cornée qui sont secondaires au port des lentilles, à une allergie aux produits d'entretien qui favorise l'infection cornéenne. Et il faut savoir que le biofilm est plus important dans le boîtier que sur la surface des lentilles. Alors sur le plan clinique, l'ulcère infectieux est le plus souvent unilatéral et s'accompagne de sécrétions. C'est une ulcération qui est plus ou moins large, douloureuse, avec un œdème cornéen. On retrouve souvent une automédication par les corticoïdes. Alors il faut faire un prélèvement avant tout traitement. Et on peut avoir soit un ulcère bactérien, dans ce cas-là, c'est en général un début brutal avec une évolution rapide, un œdème de cornée assez étendu, et on peut avoir des signes en fonction du germe, comme les sécrétions verdâtres dans le pyocyanique. Il faut relever les signes de gravité, l'enfant, la taille supérieure à 3 mm, proche de l'axe visuel. Et petit Sam a très bien détaillé les ulcères infectieux. Le traitement, on va se baser sur un traitement antibiotique local. Si c'est des ulcères qui ne sont pas très méchants, on va se baser juste sur les colliers du commerce. Sinon, on va choisir les colliers renforcés, les céphalosporines de 3e génération pour viser les BGN et les lavancos pour le staphylocoque. Le traitement général, il n'est indiqué que si on a un hypopion ou si on a une perforation imminente. Alors ici, juste, je projette un tableau qui montre comment faire la dilution des colliers fortifiés. Et chez les patients qui ne supportent pas les colliers fortifiés, on peut proposer des antibiotiques en sous-conjonctival. Et vous avez ici un tableau qui montre la préparation des antibiotiques en sous-conjonctival. Alors les autres kératites infectieuses, rapidement, c'est la kératite amibienne. Il faut y penser quand on a un abcès traînant qui ne répond pas aux antibiotiques ou aux antiviraux. Les porteurs de lentilles sont les premiers, c'est le premier facteur de risque. Et même en l'absence de signes
évocateur, il faut penser à un kératite-amibien chez un porteur de lentilles. Le signe clinique le plus précoce est la discordance entre une douleur très importante avec blépharospasme et des signes d'examen qui sont mineurs. C'est une urgence thérapeutique. On va donner quand même des antibiotiques, des agents bouillants. Et l'association qu'on trouve au Maroc, c'est l'association Brolène à 0,1% et PHMT à 0,02%. Elle est bien tolérée, peu toxique et efficace sur les deux formes d'acantamiba, la forme active et la forme quiescente. Et surtout, pas de corticothérapie. Alors les kératites fongiques, ce sont des ulcères qui sont traînants, qui sont peu douloureux, qui sont résistants aux antibiotiques classiques. Et là, le traitement qui a le plus large spectre d'activité pour les kératites fongiques, c'est le V-Find en colis renforcé ou en injection intracornéenne. Donc, pour résumer, les kératites infectieuses, c'est une urgence avec un risque de perte fonctionnelle, voire anatomique de l'œil. Il ne faut pas oublier le prélèvement systématique de l'ulcère, des lentilles, de l'étui, des produits d'entretien. Et un traitement à large spectre a démarré en urgence avant d'avoir les résultats bactériologiques qu'on redressera peut-être par la suite en fonction des résultats des examens bactériologiques. Alors les autres kératites non infectieuses, on voit sur ce tableau qu'elles sont surtout dues aux lentilles souples. Alors les kératites inflammatoires, bon, cela on a largement parlé, ce sont des infiltrats blancs qui sont proches du lymphe, qui sont en général fluo-négatifs sauf au stade de début, mais même s'ils sont fluo-positifs, la Bowman est intacte, il y a les deux formes, le CLPU et le CLER. Les facteurs favorisants, c'est le rôle de la charge bactérienne, c'est le biofilm des lentilles, des paupières, des boîtiers. Et certaines études ont montré que le CLER se réduit plutôt à des germes à gram négatif et que le CLPU se réduit plutôt à un staphylocoque. Et les études ont montré que les CLER et que ces inflammations sont favorisées par le port permanent, par le silicone, des lentilles en silico-hydrogène et les solutions multifonctions. Alors le traitement, il n'y a pas de traitement, il faut arrêter le port de lentilles. Il y a certains auteurs qui donnent des colliers au quinolone en courte cure par mesure de sécurité. Mais avant de reprendre le port de lentilles, il faut évaluer les facteurs de risque et refaire l'éducation du patient. Alors le diagnostic différentiel, bon, cela on a parlé, c'est la grille d'Azurie qui permet de faire la différence entre infection et bactéries. On va se baser sur l'œdème palpébral, sur la symptomatologie, l'injection conjonctivale, etc. Et on va scorer de 0 à 3 en fonction des signes qu'on va trouver. Et si le score est inférieur à 8, c'est probablement inflammatoire. Si le score est supérieur à 8, c'est probablement infectieux. Alors les kératites mécaniques, elles peuvent être dues à un corps étranger, comme on le voit sur la photo du haut, et ça donne ces rayures sur la cornée. Soit le syndrome de 3h, 9h, en général, c'est dû à des lentilles rigides perméables au gaz qui sont mal adaptées. On va trouver un triangle de KPS sur l'axe 3h, 9h. Et le traitement, c'est qu'il faut enlever la lentille, la changer en augmentant, demandant au fournisseur d'augmenter les dégagements pour qu'il y ait moins de frottement à ce niveau. Alors les autres ulcères mécaniques, on a les mucil balls, ce sont des particules sphériques qu'on trouve derrière la lentille, qui vont laisser des petits creux sur l'épithélium cornéen, qui sont différents des petits creux qu'on voit avec les bulles sous la lentille. Et elles sont plutôt dues au silicone qu'on trouve dans les lentilles en silico-hydrogène. Et ils sont lavables après dépose des lentilles. Donc c'est pourquoi on demande au patient de masser un petit peu sa lentille quand il la retire. Le céal, c'est une ulcération en arc de cercle qui est peu symptomatique, qui est à distance du limbe, sous la paupière supérieure, et qui est elle aussi liée au silicone, et qu'on trouve plus chez les Asiatiques. Et là aussi, le traitement, c'est qu'il faut changer le matériau de la lentille et peut-être choisir une lentille avec un silicone différent ou qui contient moins de silicone. Alors toujours dans les ulcères mécaniques, c'est le smiling staining. Il a ce nom parce que la forme de la KPS ou la sécheresse, elle a une forme de sourire. Et là, il faut vérifier si le patient peut continuer à porter ses lentilles, parce que si la sécheresse lacrymale est trop importante, il vaut mieux passer aux lentilles rigides. Et le traitement se base sur les agents mouillants. Le corneal warpage que tout le monde connaît, c'est l'effet mécanique des lentilles rigides sur la cornée et qui impose le retrait des lentilles pendant 3 à 4 semaines au moins avant de faire une topographie chez les kératocomes. Alors juste un petit cas clinique pour montrer une patiente de 16 ans qui était sous traitement anti-acnéique, qui portait une lentille cosmétique occasionnelle à l'occasion d'une fête, qui a dormi avec sa lentille le matin.
Elle avait un petit peu mal à l'œil. Elle a retiré brutalement sa lentille. Elle a arraché en même temps une partie de l'épithélium. Voilà, c'est le traitement, c'est juste des agents mouillants, éventuellement un antiseptique, et surveiller la patiente. Alors, les ulcères toxiques, là, ils sont le plus souvent bilatérales. Ce sont des KPS diffuses le plus souvent, qui sont dues aux produits d'entretien ou aux conservateurs des produits d'entretien. Ils peuvent être dus à des colliers utilisés par le patient. Et actuellement, on a des lentilles avec un traitement intégré à diffusion prolongée sont disponibles actuellement. Et ces lentilles thérapeutiques peuvent donner des kératites ponctuées superficielles. Alors, le traitement, c'est l'arrêt des pores du port de la lentille, les agents mouillants, un traitement antiseptique ou antibiotique en fonction de la conviction du médecin, et les corticoïdes si on a une inflammation importante, sinon ce n'est pas utile de donner des corticoïdes. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Moi, je dirais toujours penser à l'infection. Il faut vérifier la qualité des lentilles, évaluer la qualité de l'entretien des lentilles, culture des lentilles, des solutions d'entretien et des étuis chaque fois que nécessaire. Et surtout, il faut parler au patient, prendre le temps de lui faire décrire son mode de port, son mode d'entretien, regarder ses mains et ses ongles, si ça vous dira, si ça vous orientera un petit peu vers l'étiologie. L'examen ophtalmologique doit être complet, on va voir l'aspect de l'ulcère ou de la kératite, peut nous orienter vers le diagnostic, rechercher les sites de gravité, et surtout, ne pas oublier d'instiller de la fluorescéine et de retourner les paupières. L'infection reste le premier diagnostic à éliminer, c'est une urgence. C'est le plus souvent, y penser devant un ulcère unilatéral à début brutal avec des sécrétions qui évoluent rapidement, surtout dans les infections bactériennes. Alors je terminerai par la prévention qui est très importante. Donc l'éducation du porteur sur les règles d'hygiène, le respect du renouvellement, le respect de l'entretien et surtout proscrire tout contact avec l'eau du robinet ou avec l'eau douce. Il y a des patients qui lavent leurs lentilles avec de l'eau minérale. Une bonne adaptation. L'adaptation doit être médicale, quel que soit le type de lentille, parce qu'avant de donner des lentilles, il faut d'abord éliminer les contre-indications, c'est-à-dire une rosacée, une sécheresse lacrymale sévère, un traitement anti-acnéique. Bien sûr, il faut respecter les règles d'adaptation qui sont données par chaque fournisseur et établir un calendrier de surveillance avec le patient pour éviter de tomber dans les complications. Le choix de la lentille, chaque fois que possible, on préférera une lentille rigide. Et si on opte pour des lentilles souples, il faut préférer les lentilles en silicone hydrogel qui ont un meilleur déca et de préférence à renouvellement fréquent comme les 1D ou les lentilles de 15 jours ou de 30 jours. Éviter le port nocturne ou le port prolongé. Ne jamais porter ces lentilles si on a un œil rouge ou si on a des sécrétions. Pas de contact avec l'eau du robinet, c'est très important de le répéter aux patients. Donc, disposer de ces types de fiches au cabinet ou à la consultation pour montrer aux patients qu'il faut se laver les mains, rincer la solution, que l'entretien des étuis également, qui est très important pour éviter les infections. Donc, en conclusion, les kératites sont fréquentes chez les porteurs de lentilles. Toujours penser à l'infection. Un bon examen permet un bon diagnostic. Ne pas oublier de retourner les paupières, d'instiller la fluorescéine, d'examiner les lentilles, l'étui et la solution d'entretien. Et merci pour votre attention. Merci beaucoup, professeur Hesna Amari. Et merci à toutes les oratrices. C'était vraiment très, très intéressant, très instructif. Je pense qu'on va passer tout de suite à la discussion. Et si vous permettez, je vais essayer de relever un peu quelques les questions qui ont été posté sur la diffusion YouTube. Une des questions qui a été évoquée par le professeur Chakraoui, c'est la limite entre l'inflammation et l'infectieux. Donc, je demanderai à vous, Hesna Amari et Bouchra Alali, de me faire un commentaire sur ça. Est-ce qu'il faut être toujours alarmiste et penser à l'infection, quelle que soit la lésion, ou bien il faut, comme vous l'avez souligné dans votre présentation, se baser sur les signes cliniques et sur l'aspect clinique et l'interrogatoire pour pouvoir trancher entre les deux. Bouchra? Oui. Merci, M. Blumki. Merci, Professeur Chakraoui, pour la question que vous avez soulevée. Comme ça, on va faire l'accent entre tout ce qui est infectieux et tout ce qui est infiltrat périphérique stérile. Je dirais que
D'abord, il faut rester clinicien. Ça veut dire qu'il y a des paramètres, il y a des éléments qui nous font penser à, qui font la part des choses entre tout ce qui est bactérien et tout ce qui est stérile, c'est-à-dire infiltrat stérile. D'abord, le début. Le début, on va dire que dans l'infection, c'est aigu, c'est brutal, c'est bruyant. Par rapport à l'infiltrat qui est stérile, on va dire un début qui est subaigu. La localisation. J'ai bien expliqué tout à l'heure que la cornée centrale, plus on s'éloigne du limbe, plus on se rapproche du centre, plus l'infection est beaucoup plus que la périphérie, là où il y a le limbe, où il y a les cellules qui vont va protéger. C'est comme s'il y a un mécanisme immunologique qui se crée au niveau du limbe. Donc, la localisation, sachant que la localisation de l'infection, elle peut être même périphérique, à ne pas écarter. Mais dans l'infiltrat stérile, il est la plupart des cas, il est périphérique. Le diamètre dans l'infection, on est à peu près plus de 1 mm par rapport à l'infiltrat périphérique qui, généralement, j'ai bien détaillé tout à l'heure, ils peuvent être multiples, dispersés autour de toute la périphérie cornéenne. La symptomatologie. La symptomatologie devant l'abcès, elle est bruyante. Le malade a mal, la douleur oculaire. Sauf si on est devant un terrain qui est, on va dire, un diabétique ou bien un herpès, ou je ne sais pas, un problème de sensibilité cornéenne qui fait que le malade n'a pas mal. Mais généralement, dans la carie bactérienne, c'est douloureux et c'est la douleur, elle est là et elle est aiguë. Donc, le malade, il va se consulter pour la douleur. À l'examen, à l'épithélium, il est ulcéré dans la partie infectieuse. Concernant à la partie périphérique, à l'ulcère périphérique, généralement l'épithélium il est intact, donc on retrouve pas une ulcération, c'est-à-dire que franche. Dans l'examen du stroma, il y a un infiltrat qui est progressif et qui creuse dans la profondeur par rapport à l'infiltrat stérile. Le stroma, c'est vrai qu'il y a une petite ulcération stromale, mais c'est stable, c'est pas évolutif dans le siège et dans l'espace. L'inflammation de la chambre antérieure, on peut trouver une inflammation qui est importante, d'une croix à deux croix de tendage jusqu'à carrément une lame d'hypopion. Dans l'infiltrat stérile, on ne retrouve pas ça. La chambre antérieure, elle est calme. Il n'y a pas d'inflammation de chambre antérieure qui est bruyante. Et bien sûr, associé éventuellement, si on est devant l'abcès, comme on le sait, il y a l'irritation cornée conjonctivale, il y a le blépharospasme, il y a la blépharite. Il y a tout un tableau qui est vraiment plus bruyant que dans l'infiltrat stérile. Hassna, tu veux ajouter? Merci beaucoup, Bouchra. Hassna, tu veux ajouter quelque chose? Les ulcères herpétiques, je ne sais pas si ça existe chez les porteurs de lentilles. Je ne sais pas pourquoi, mais on a très peu d'ulcères. Bon, ça, je sors de la question. C'est... pour les ulcères herpétiques, moi j'ai personnellement, j'ai jamais vu d'ulcères herpétiques chez un porteur de lentilles. Est-ce que c'est parce qu'ils ont. La contamination de la cornée, elle est totalement différente. Dans l'herpès, c'est par voie neurologique et donc c'est une infection systémique à localisation oculaire. Donc c'est pour ça que ce n'est pas le port de lentilles qui va donner l'atteinte cornéenne. C'est vrai que chez les porteurs de lentilles, on voit très rarement, exceptionnellement, une kératite herpétique. Un des sujets qui a été très soulevé au cours de vos présentations, c'est cette problématique des lentilles cosmétiques, qui pose vraiment un grand problème, je dirais même un problème de santé publique, qui ne sont pas codifiées, qui sont vendues un peu partout, qui sont réutilisés plusieurs fois. Et vraiment, c'est une question qui a été également soulevée par le participant, cette problématique de la commercialisation des lentilles cosmétiques. Est-ce qu'on fait assez pour sensibiliser les décideurs pour rendre ce type de lentilles comme un produit qui doit être vendu par un professionnel de santé, bon, un opticien ou un pharmacien. Juste pour dire pourquoi c'est les lentilles cosmétiques, pourquoi elles sont dangereuses, c'est parce que d'abord elles sont en hydrogène et elles sont il y a l'épaisseur de la lentille qui l'épaisseur de la correction et l'épaisseur
du colorant, ce qui fait que ce sont des lentilles qui sont très épaisses et dont le déca est très faible. Et normalement, c'est des lentilles qui, en principe, ne doivent pas être portées pendant plus que 6 heures par jour et ne doivent jamais être portées tous les jours. Et ça, c'est pas les en général, elles sont achetées chez les avec les produits cosmétiques et elles sont utilisées par Gafet en les faisant changer d'une femme à l'autre. Et c'est ça ce qui pose vraiment un grand problème. Ils sont même vendus par terre. À Casablanca, ils sont vendus par terre avec les marchands ambulants. Je pense que c'est vrai qu'on a notre mot à dire. La SMOC devrait s'intéresser à ce problème et voir avec les décideurs, parce que si vous vous rappelez, le jour où il y avait les pétards et on recevait les accidents d'Yal Ashwara, ben, on a fait les spots publicitaires et on a fait beaucoup de bruit. Et la législation, ils ont interdit pratiquement maintenant l'import de, sauf les gens qui le ramènent en marché noir. Donc, légalement, ça ne rentre plus au pays. Donc, on peut toujours faire la même chose pour ces lentilles cosmétiques qui entraînent des dégâts et des pronostics visuels engagés. Donc, je pense qu'il faut s'attaquer à ce dossier de manière, dans le cadre de la SMOC et en collaboration, bien sûr, avec tous les médecins qui voient ces cas et qui pratiquent la contactologie. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, Abtissa, mais peut-être associer la SMO et faire un écrit dans ce sens aux décideurs pour... faire que l'importation des lentilles cosmétiques soit l'apanage exclusivement des sociétés qui sont dans le domaine médical et pas des commerçants. Oui, tout à fait. Je transite à travers ces lentilles cosmétiques un autre problème auquel on est souvent confronté dans la pathologie cornéenne et celui des lentilles thérapeutiques. Oui. Moi, je reçois souvent des patients qui ont des lentilles thérapeutiques parce qu'ils ont une kératopathie bileuse ou un problème de cornée, de sensibilité cornéenne, mais qui portent des lentilles pendant 2 mois, 3 mois. Parfois, ils oublient même qu'ils ont une lentille dans l'œil. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur les règles de port de ces lentilles thérapeutiques? Parce que moi, je les vois tous les jours pratiquement avec des lentilles qui sont là depuis 2-3 mois et personne ne pense à les changer ni à les laver. Ça, parfois, c'est des catastrophes aussi. Et justement, les kératopathies bulleuses, ils sont sujets à faire des infections parce qu'il y a des fois des ruptures des petites bulles de l'épithélium et qui peuvent s'infecter. Et donc, c'est des lentilles qui doivent être sous surveillance stricte. Ils doivent revoir leur médecin de manière régulière et les porter 2 ou 3 mois, c'est de l'inconscience. C'est des lentilles. C'est vrai que le déca sur de ces lentilles est assez élevé, mais il faut pas les porter 2 ou 3 mois. Il faut les changer et ils doivent obéir aux mêmes règles d'hygiène et de renouvellement que les autres types de lentilles et la même adaptation aussi. Je peux rajouter quelque chose, Sylvie Mouquet? Oui, bien sûr, bien sûr. La lentille thérapeutique, je dirais, le risque infectieux est multiplié par 100 par rapport à une lentille normale. Moi, je me rappelle très bien, on nous a enseigné ça dans le DU de contactologie. Et donc, vous dites 2 à 3 mois, ça me fait trop peur. Nous, on pose la lentille, on pose cross-linking chez les malades et on reste vraiment sur nos gardes. Attention, le malade doit poser la lentille juste 48 heures, 12 heures pour qu'il cicatrise son épithélium. Et on reste sur nos gardes, on doit contrôler le malade le lendemain et le samedi, le médecin il vient pour contrôler le malade post-cross-linking. Donc vraiment, il faut passer le message et sensibiliser auprès de ses patients et ne pas avoir la main et facile de laisser un malade qui traîne avec un réservoir de germes. Parce qu'on circule avec un réservoir de germes, avec toutes les cochonneries. Sur une cornée pathologique.
pathologique, donc c'est bonjour les dégâts. On essaie de ramener tous les germes qui collent à ce réservoir et dans la flore conjonctivale et les cul-de-sac, et on fait rentrer ces germes à l'intérieur de l'œil. Donc, il faut vraiment faire très attention à ce point. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'ai une autre question qui concerne la relation ou l'impact du port de lentilles chez les greffés de cornée. Comme vous le savez, la première indication de greffe de cornée chez nous, c'est le kératocone. Et donc, en post-greffe, on a souvent encore énormément d'astigmatisme et on est amené à faire donc une adaptation de lentilles de contact. En général, c'est des lentilles sclérales. Et je voudrais avoir votre avis quant à l'impact de ces lentilles, surtout que vous avez parlé que la lentille elle-même crée une ambiance d'inflammation. Et vous savez, c'est l'ennemi de la greffe de cornée, c'est l'inflammation, parce que c'est le début de la cascade vers le rejet. Donc, quelle est votre expérience et votre avis sur le port de lentilles en post-greffe? Alors, sincèrement, de tous les patients et toute la série qu'on a greffé à Sebelmki, il n'y a aucun patient qui est adapté en post-greffe. Je sois claire avec vous. Je termine, Hissna, s'il te plaît. Oui, vous m'entendez? Oui. Alors, généralement, on essaie de faire l'ablation des points et on surveille l'astigmatisme. C'est vrai qu'on a une moyenne dans la série de moins 4 secondes, on va dire, qui s'articule entre moins 3 secondes et jusqu'à moins 5 secondes d'astigmatisme. Donc, tous les patients, ils portent leur correction optique après l'ablation des points. On veille à ce que les points sont enlevés au fur et à mesure en fonction de l'astigmatisme et en surveillant, bien sûr, par des topographies de contrôle pour surveiller l'astigmatisme si c'est possible. Sinon, on voit que si un point il est lâche, on va l'enlever. Une fois qu'on a assuré l'ablation des points, d'ailleurs, c'est le cas pour les deux patientes que j'ai présentées, on a procédé juste à une correction optique. Je n'ai pas encore eu, jusqu'à maintenant, l'audace, je dirais, et le courage d'équiper un malade post-greffe. Pas parce qu'il y a un manque de... Non, les lentilles post-greffe, on a la boîte d'adaptation, mais pour conserver justement ce tissu noble, on essaie au maximum d'être très, très vigilant et en faisant très attention, en se contentant juste de porter une correction optique. Bien sûr, si on est devant les enfants, on fait le traitement d'amblyopie, etc. Mais un adulte, il peut se contenter et les malades sont très contents, ils sont très satisfaits juste avec leur correction optique. Voilà. Vous pensez que la lentille de contact risque de retentir sur la survie du... Moi, je ne suis pas d'accord. On laisse Hassna parler. Je ne suis pas d'accord j'ai des patients qui sont adaptés en lentille rigide post-greffe. J'ai des patients qui sont adaptés avec des lentilles traditionnelles de grand diamètre. Et qui sont bien adaptés, qui sont contents depuis plusieurs années, parce que quand même moins 4 dioptries d'astigmatisme, l'astigmatisme quand on dépasse 3 dioptries, ça, la vue, même si on a un 10 dixième, c'est un mauvais 10 dixième. Sinon on peut passer aux lentilles. On parlait de la dysométropie. Oui, et même s'il a un moins 4 sur les deux yeux, il ne va pas bien voir. Quand on dépasse moins 3, on a rarement 10 dixièmes d'acuité visuelle. Et la deuxième chose, c'est que moi, je préfère adapter en lentille rigide traditionnelle plutôt qu'en lentille sclérale, parce que avec les lentilles sclérales, ils sont tellement contents, ils oublient d'enlever leur lentille. Et ce qui fait ça crée une inflammation avec le film lacrymal qui n'est pas modifié, etc. Mais avec des lentilles rigides traditionnelles, j'ai une dizaine de patients qui sont adaptés en lentilles rigides, qui sont très contents avec leurs lentilles. Je suis entièrement d'accord avec toi, Sna, parce que justement, moi aussi, j'opte pour les lentilles rigides. Elles sont physiologiques, mieux que les lentilles sclérales. Et elle laisse passer, il y a un film de larmes entre la cornée et la lentille. Et c'est des patients qui sont très contents parce qu'ils améliorent leur acuité visuelle. Et ils restent, c'est la lentille qui, à chaque fois qu'il y a un problème d'effraction de l'épithélium cornéen,
crânien va faire mal et il va l'enlever, il va aller consulter, surtout qu'il a eu la cascade de consultations et arrivé jusqu'à la greffe de cornée. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas les priver d'adaptation. Il faut juste bien les éduquer et leur expliquer. Et ils sont encore plus soucieux de garder ce qu'ils ont, donc ils feront le maximum. J'ai plusieurs cas de cornées irrégulières post-greffe adaptées et qui sont très bien. Donc, en revanche, si je peux me permettre de partager mon expérience, j'ai plus de cas de post-greffe que j'adapte en lentille sclérale parce que souvent, avant la greffe, ils espèrent ne plus être adaptés en lentille. Donc, ensuite, avoir l'inconfort de la lentille classique. D'abord, elle n'est pas si facile à adapter parce que avec les bourrelets périphériques, souvent, ce sont des lentilles qui sont décentrées même quand elles sont de grand diamètre. Et donc, le film lacrymal n'est pas bien, ne recouvre pas suffisamment bien l'épithélium. Donc, pour ces trois raisons, moi, je préfère les mettre en lentille sclérale et bien sûr, une surveillance accrue et leur demander d'enlever très régulièrement leurs lentilles durant la journée. Mais j'en adapte beaucoup, et les patients sont vraiment satisfaits, tant au niveau du confort que de la vision. Ça, c'est mon expérience. En tout cas, chacun son expérience. Moi aussi, j'en ai des sclérales, des greffes adaptées en sclérale. Mais je préfère toujours commencer par la lentille post-greffe. Ils sont très heureux quand ils sont adaptés. Ils améliorent leur acuité visuelle. Donc, on ne va pas les priver de… Et comme a dit Hsna, c'est une acuité visuelle de bonne qualité. Ça vaut la peine de le faire 6 mois après la… Je pense que la moyenne, je ne sais pas quel est votre délai. Lentille sclérale, ce n'est pas obligatoire d'enlever les points… Les points cornéens. On peut adapter même avec les points cornéens. Oui, mais des points confinés sous une lentille sclérale, moi je ferai attention plus que je serai encore plus vigilante. Oui, c'est vrai, il faut être doublement vigilant. Infection des fils, oui. Il vaut mieux qu'ils aient enlevé leurs fils pour. Je rajoute quelque chose, c'est Benki. Oui, Bouchra. Oui. Peut-être que s'acharner entre la guetter l'infection, suivre si le malade va présenter un rejet au cours de route, voir le contexte global du malade. Peut-être qu'il faut commencer à choisir ce patient qu'on va équiper, pas n'importe quel patient, surtout dans notre contexte hospitalier, d'adapter tous les malades en post-greffe. Moi, personnellement, lorsque je vois un malade après 2 ans ou 3 ans de recul, ou bien même 4 ans, 5 ans, parce qu'une moyenne de recul, on a quand même 10 ans, on a commencé depuis 2009, bien avant. Dès que je vois un greffon qui est clair, un tonus qui est bien, on a jugulé l'infection, qu'il fait pas de rejet, surtout que tous les malades greffés, ils reviennent à l'hôpital et on les suit de très près. Déjà, ça c'est du gain, mais c'est pas une. Enfin, peut-être que vous êtes en train de dire c'est pas une bonne acuité à l'astigmatisme. Mais moi, je parle d'un mouvement de main, un malade qui était presque monophtalme, qui ne voyait rien, et il a un 3 à 4 dixièmes, et corrigé avec une correction, et il est très satisfait. Et je vois les satisfactions, et je le vis avec les patients. Donc, peut-être que vous me donnez un peu le courage et d'y aller et de commencer à équiper les malades dans le profil, il est convenable et adéquat pour équiper ces malades en lentilles post-greffe rigide, et que je vous tiendrai au courant après des résultats. Tout à fait, Bouchra. Merci beaucoup. Mais de toutes les façons, on est en train de dire la même chose, c'est-à-dire que les patients qui sont greffés déjà, juste après la greffe, sans correction, ils sont très satisfaits parce qu'il y a beaucoup d'aberrations qui disparaissent après la greffe, malgré l'astigmatisme. Les équiper en lunettes, c'est encore mieux, ça les améliore encore mieux. Et les équiper en lentilles, ça les rend extrêmement heureux et on les voit. Maintenant, ce résultat, il est précieux, il faut le surveiller, il faut le guetter, enfin, il faut le
protégés. Et c'est pour cela que le suivi est très important, parce que le risque de rejet qu'on fasse une lentille ou qu'on ne la fasse pas est là. Et c'est quelque chose qui restera avec le patient toute sa vie. Hasna, tu as d'autres questions? Je ne sais pas s'il y a d'autres questions que vous voulez qu'on discute. On a parlé longuement du problème des lentilles. Et une des sources d'infection ou de problèmes aussi qui guette cette activité, c'est les problèmes des liquides d'entretien. Et le circuit des liquides, de commercialisation des liquides d'entretien est un circuit vraiment... Moi, j'ai eu l'occasion de voir des patients qui ont eu des abcès de cornée juste parce qu'ils ont changé le liquide d'entretien, parce qu'ils trouvaient moins cher ici ou là. Et quand ils ont changé, quand on a analysé le liquide d'entretien, il était infecté. Et on se demande un peu sur le commercial du liquide d'entretien, parce que n'importe qui peut faire importer des liquides. Comme vous le savez, comme toutes les marques, on peut importer des liquides de Chine, d'Inde ou d'autres et les commercialiser parce qu'ils sont moins chers. Chose, c'est ce dont a parlé Tissem tout à l'heure, c'est la législation des lentilles, que ce soit les lentilles cosmétiques ou les lentilles rigides ou les lentilles souples, même les lentilles souples. Moi, j'ai reçu une fois un patient qui a porté des lentilles souples pendant 6 mois et c'est comme s'il les avait portées pendant 10 ans. Il avait une néovascularisation périphérique monstrueuse et c'était des lentilles qu'il a achetées chez un opticien à Davray-le-François, chez soi-disant un opticien. Donc c'est tout ça qu'il faut peut-être prendre en charge, aussi bien par la SMO, par les ophtalmos, et cesser le conflit avec les opticiens pour travailler ensemble dans ce sens-là, d'être trouvé un accord avec les opticiens, parce que même les opticiens, ça les dérange d'avoir ces vendeurs de lentilles partout. Personnellement, j'ai vu des marchands ambulants qui vendaient des lentilles. Une fois, je suis rentrée dans une parfumerie, il y avait une jeune fille qui achetait des lentilles et elle a dit au vendeur: avec quoi je peux rincer les lentilles? Il lui a dit: moi, j'ai pas le produit d'entretien maintenant, mais tu peux les laver avec l'eau du robinet ou bien avec Cidiel. Wow. Moi, une fois, je suis rentrée dans une parfumerie et j'ai vu une jeune qui a acheté une lentille, qui l'a ouverte et qui l'a mise sur l'œil, sans se laver les mains, sans produit d'entretien, sans quoi que ce soit. Donc j'ai râlé, j'allais sortir de mes... Mais bon, les gens sont inconscients, donc il faut peut-être qu'il y ait une participation de l'État, comme ce qu'on fait maintenant pour le coronavirus, des spots publicitaires, que les gens prennent conscience de la gravité Oui, parce que Tissem, ils ne savent pas, tout simplement. Il faut communiquer, il faut expliquer, il faut marteler, tout ça. Et même les patients qui savent, il faut leur rappeler à chaque fois. Aussi l'éducation des parents. Parce que moi, une fois, ma fille est venue, elle m'a dit, ma copine, sa maman lui a acheté des lentilles cosmétiques pour son anniversaire. Elle avait 14 ans. Et j'ai reçu une fois une jeune fille qui est venue, elle avait 15 ans, elle est venue toute seule, elle a dit « moi je veux des lentilles, c'est pas la peine de m'essayer des lunettes, je veux des lentilles ». Et il y a une autre aberration aussi, c'est les gens qui préfèrent acheter juste les lentilles sans acheter les lunettes. Et oui, ça c'est très grave pour les forts myopes, pour les myopes, ça c'est quelque chose d'extrêmement grave. Parce que s'il a un œil rouge, s'il a des sécrétions, il va quand même mettre sa lentille parce qu'il faut qu'il aille travailler. Et automatiquement, le risque d'infection est majoré, voire multiplié par 20 ou par 100. D'accord. Merci beaucoup. Donc, je pense qu'on arrive à la fin. Je te laisse conclure, Hasna. Merci à tous les orateurs. Merci, Simrimut, pour la modération. Merci, Bouchra. Merci, Loubna.
Merci Ptissem, merci Lamia pour vos présentations de très grande qualité. Et ça va être le dernier webinaire de BioLens avant les vacances. On reprendra là après le mois de septembre. Et merci à tous. Merci au laboratoire BioLens de nous permettre de faire ces réunions. Merci à vous et au laboratoire BioLens. Merci à tout le monde. Merci. Merci. Au revoir les amis. Au revoir. Bonnes vacances. Au revoir. À la prochaine, Inch'Allah. Au revoir.